Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On lance aujourd'hui petite émission première du Vendredi c'est Solari, émission que vous aurez de manière hebdomadaire tous les vendredis à quelle heure? On ne sait pas encore exactement l'heure parce que ça dépendra de ce qu'il y a avant, de ce qu'il y a après, etc. Donc là aujourd'hui, bon bah on devait commencer à 21h. Malheureusement j'ai eu un train qui a eu 50 minutes de retard, mais je suis quand même présent et je suis accompagné eh bien, de 4 cracks, je suis accompagné de Narcus, de Myrtus, de Sharky et de Qatar. Comment vous allez les gars? Mais yo, hey, yo. T'es accompagné aussi de Wax et d'Apo. Oui c'est vrai, vu qu'ils ont gagné, ils ont gagné l'émission. Ouais, je crois que ça on va le faire une fois tous les mois. Ça aurait dû être toi Myrtus. J'ai pas du tout le savoir. Ouais, ça aurait dû être ta photo avec toi, avec les gouttes, tu es trop beau ici sur le mur là. En même temps le truc c'est que t'as pas su retenir deux mots, donc à partir de là je veux dire tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Il ne mérite pas. Absolument. Bon les gars, comment ça va? Malade, je crois qu'on est tous un peu malades là. Donc moi ça va tranquille. Tiens ton micro, je vais le tenir là. Là on est tous un peu malades. Ah ouais. Mais ça va là, de toute façon ça va être chill, on va deviner des élos. Exactement, donc Guess My Hero, vous connaissez hein, assez simple. Donc ouais. On va voir des vidéos de gameplay et vous devrez deviner quels élos sont ces gameplays. Donc est-ce qu'il y a des pièges ou pas? Bah j'en sais rien. Il y a toujours des pièges. Toujours des pièges, du coup c'est dur entre guillemets quoi. Ah mais il y aura forcément des pièges. J'imagine qu'ils ont sélectionné des trucs où tu dis ah, ça joue trop bien. Truc que moi. Tu dis ça a trop bien joué mais en fait ça, c'est du bronze ou alors à l'inverse tu vois, tu dis là c'est une Queen Fiesta alors qu'en vrai de vrai c'est du diamant. Donc ouais. Faudra bien analyser eh bien, tout le farm de la game, le farming, le stuff, les pseudos, les champions. Les pseudos, je sais pas. Les pseudos, si les pseudos, les majuscules, ouais. C'est trop du bronze. S'il n'y a pas de majuscules, c'est du bronze. S'il y a zéro majuscule sur les 10 pseudos, frère, ouais, mais du, si jamais on cache les pseudos. Ah bah là, c'est finito. Ouais. Hein ? Ma strat, c'est de dire bronze tout le temps. Ok. Est-ce que les règles, c'est un peu comme le jeu du jeu? Si on met en dessous, c'est bon, et au-dessus, c'est pas bon? Non, je pense qu'on va faire. Je sais pas c'est quoi le barème des points, je pense qu'on va faire un point pour la division. Et ouais, un point si jamais vous trouvez exactement le truc. Donc imaginons c'est du diamant. C'est League Division quoi. Diamant 4. Vous dites diamant 2, bah, vous aurez un point. D'accord. Donc si jamais vous dites émeraude 1 par exemple, bah, vous aurez 0 point. Tout simplement. Ça c'est dur maintenant qu'il y a émeraude. C'est vrai, maintenant il y a émeraude. N'oubliez pas, il y a émeraude, il y a iron. Donc c'est plus pareil. Par contre, Narcus, je crois qu'il a tout cassé sur sa tablette. Qu'est-ce que tu fous? Là c'est fini là. Qu'est-ce que tu branles, frère? Moi aussi ça a tout cassé tout à l'heure. Hein. C'est la merde. Je sais pas, j'ai un truc noir. J'arrive pas à l'enlever. Du coup j'ai cliqué partout. Non, appuie pas, j'ai... Qu'est-ce qu'il a fait à l'heure? Ah ouais, ok. Ah c'est bon. Il a juste appuyé sur un bouton. Il a plus les chiffres, 1, 2, 3, 4. Il écrira, c'est bon. Bon, du coup, on a une, je dirais, une bonne vingtaine, trentaine de clips environ qui vont être sélectionnés. À la fin, le perdant devra faire une danse tout nu, donc faites très attention. Ok. C'est pour ça que t'as pris tes médocs qui étaient avant. Ah oui. Il y aura un gage pour le perdant. Ah ouais? C'est quoi ça? Ah, c'est comme ça. Non, il y a un gage pour le perdre. Il n'y a pas. Ah, sinon, c'est pas marrant. Sinon, c'est quoi l'intérêt? À part de gagner des élos. Le gagnant, il a quoi? Le gagnant, il gagne un resto. Ouais, ouais. Avec qui? N'importe. Celui qui veut. Ok. Celui qui veut de la boîte, tu choisis. Celui qui gagne, il gagne ça. Et le perdant, il devra faire un truc. On va trouver un gage. Ok. Donc, tranquille. Je vais tout donner pour gagner alors. Vas-y. Voilà. Au moins, comme ça, ça rajoutera un petit enjeu. Ok, ça va. Est-ce qu'on est prêt niveau régie? Est-ce qu'on va pouvoir lancer directement le premier clip? Et c'est parti directement. Oh Yazio, laisse analyser. Yazio contre Tamken. C'est Sauce Monster. Oh là là, le double bump. Bon déjà il y a du Tamken stop. Hein. Ouais. Ça existe ça, Tamken stop. Wow. Ouais, ça joue. Ah mais c'est attends c'est en. Regardez. C'est honteux, mais c'est pas grave. Vous avez les lots. Donc vous avez eu le farm pendant un court instant ouais, au tout début du sur clip. Sur la scène ou pas? Donc honnêtement, de ce qu'on voit, on voit Yasuo qui a l'air de cliquer. Ouais, mais attends, mais là c'est que des en Europe ou c'est à il y a moyen de monter un tout petit peu le truc Aldi Alan parce qu'on voit pas les summoners du Gregas typiquement. Attends, tu peux mettre pause pile là. Ah, non, on voit 160, 140. Ouais, le farm était pas faux. Le farming, il y avait 162 CS. 162 CS à 18 minutes de jeu pour le Yasuo. Attends, on est d'accord que c'est que en Europe, il y a pas de game Ouais, c'est juste des mecs qui ont le client. Et ça pourrait être, on s'en fout de toute façon que ce soit en Europe ou pas. Non. Le niveau est différent. Oui, le niveau est différent. Ah ouais, mais justement, ça peut être des petits pièges. 140 CS bot, bah pas fou. Ouais. 110 CS au top. Ouais, regardez bien les runes, regardez bien tout, à votre avis. Vas-y, c'est bon, moi je l'ai. Tu l'as? Hugo, c'est vraiment un bot. Hein. Il a littéralement couru sur Yasuo à rien faire. Est-ce qu'on remet très bel clip là? Il a un ciel éventré, petit Kraken, on met du dégât sur le Yasuo. Après, Yasuo, fais attention. Yasuo, c'est un perso, tu dis,
ça fait des trucs, mais c'est pas pour autant que t'es fort. Oui, en vrai, il y a rien de spécial, il y a rien de fou dans le monde. Ah, il y a vraiment rien. Je pense Sauce Monster, il est trop heureux de son play, hein, ouais. Alors qu'il est gold. Moi, je dirais. Parce que du coup, il faut quand même se dire que le mec a pas le temps de prendre le clip, de l'envoyer, donc que ce soit de la merde ou que ce soit bien, il faut quand même se dire que là, c'est potentiellement son prime, quoi. Après, peut-être que c'est pas son prime, peut-être que je sais pas, c'est à vous de voir. Moi, je l'aime. Hein. Tu l'as? Ah, ouais, je l'ai aussi. Hein. Ah, vous l'avez, ouais. J'hésite. Moi, je l'ai, je pense. Un peu. Moi je l'aime. Moi j'hésite aussi. Moi. J'hésite entre. Non, le problème c'est qu'ils ont rajouté émeraude. Ouais, c'est ça, j'hésite avec le petit émeraude. Ah bah justement, il faut justement réussir à déterminer un petit peu. Parce qu'ils valent les gens en émeraude. Peut-être Myrtus ça revient, c'est du bronze. Non, c'est pas du bronze. C'est pas du bronze. Vu le farming, ça m'étonne. Ah, c'est pas du bronze. Vas-y, c'est bon, vous avez tous. Alors, vous avez tous mis un elo, c'est bon? Vous êtes ouais, prêts? Bon, ouais. Ok, alors. Est-ce qu'on va pouvoir voir un peu votre. Non, je crois que c'est automatique. Ah, donc on voit du côté de Narcus, Diamant 3. Du côté de Kataremo 3, du côté de Cherki Platine 2 et du côté de Myrtus Emerald 4. Il faut savoir qu'il y a une seule personne qui prend des points. Ah, c'est qu'une seule personne. Non. C'est le plus proche? Non, c'est pas le plus proche. Ah, d'accord. Quoi. Il y en a un qui a réussi à avoir des points là-dedans. Non, bah, c'est forcément moi. C'est Cherki ou Narcus. Parce que forcément, vu qu'il y a deux personnes qui ont mis Emerald. Je vais juste croire qu'il est diamant. Voilà. J'ai dit qu'il y a une personne, donc vous deux déjà, vous êtes. Non, s'il est diamant, je crie. Attends, juste, c'est quoi les points? C'est en mode. Moi, je propose. Si t'as la catégorie. Donc un point. Diamant, un point. Et si t'as exactement la division, t'as un point en plus. On peut faire un truc. Donc genre tu peux faire deux points max. Est-ce qu'on peut pas faire aussi le plus proche s'il y en a aucun qui a bon? Un point. Oui. Tu vois, comme oui, ça, oui, tu vois, ça fait un point ça à chaque fois. Ça me va, mais il faut savoir qu'il y a un tout pile. Oh! Il y a un tout pile entre Cherki et Narcus. Et je peux vous dire. Qu'il y a les diamants. Et je peux vous dire que cette personne était bel et bien Diamant 3. Oh, Narcus qui prend deux points ici. Let's go. Honteux. En vrai. Tu sais que les Yasuo comme ça, il y en a un milliard en diamant low master. Hein. Genre no joke. Partout, il a rien fait, partout. Il a juste son partout. Non, il a c'est Tokyo, ça le niveau Tokyo. Diamant, c'est les gars, ils. Ok. Moins, mais après, ça va, vous étiez pas non plus trop éloigné, vous avez pas mis genre du bronze, gold, etc. Ça, vous étiez quand même resté dans un niveau. Ça jouait un peu. Ça jouait un petit peu, quand même, clairement. Bon, on a beaucoup de clips, donc on va enchaîner directement sur le deuxième clip. En tout cas, pour l'instant, Narcus qui mène 2-0. Donc pour l'instant, Narcus qui est à deux se fait inviter au resto. Déjà. Toi, t'as bien un resto en jeu, Narcus okay. Trahir. Oh non, Paul Garin qui va juste au. En fait, le problème, c'est que là, il est fier de ce move là. C'est ça le truc aussi qu'il faut se dire. C'est que là, le gars, il s'est dit putain, j'ai fait un move avec mon Garen. Et des fois, il n'y a pas le farm. Des fois, c'est comme ça. Des fois, il faut faire avec les informations que vous avez. C'est-à-dire qu'il faut se démerder. Tu te démerdes avec ce que tu vois là. Donc regardez bien les summoners, comme d'habitude. Regardez bien les compositions aussi, hein. Ça peut donner aussi une indication. Et les compositions parfois. Oh, il y a de la Yumi. Il y a de la Lux Smolder. Lux support qui est méta actuellement en OLO. Hein. Ça vient tout juste de Corée. Ah, je pense ça a été joué à LCK. Qui ça? Lux. Ok, c'est mon jeu là. Lux Ignite, ça n'existe pas. Ça. Est-ce que c'est un bluff? Est-ce que c'était pas un bluff? J'en sais rien, peut-être que je parle au hasard. En fait, là, c'est un Garen top qui est fier quand même d'un move vraiment naze. Le problème, en vrai, je vais pas vous mentir, le problème c'est que voir si un Garen est challenger ou bronze, c'est impossible parce que c'est il fait la même chose. Pour monter avec Garen, faut jouer comme un bronze, non? Oui, c'est vrai. Moi j'ai ma réponse. Vas-y, moi aussi. Enfin, je suis sûr. Et je refuserai aucune autre réponse que ça. Ok. Mais je peux plus changer? Ouais, je pense que c'est ça. Rien, ouais. Oh, rien, et là, ils sont tous en vrai de vrai. Tu sais que là, il est master, t'es là en mode ok. En vrai, c'est vraiment pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Après, tu dois réussir à analyser. Tu as 11 000 de jeu. Il y a combien de goals là? Il y a 18 000 goals, tu vois. Tu dois voir. Ça peut te donner une indication sur le farm. Pas fait de grubs. Velvet n'a pas fait de grubs dans 11 minutes. Tu vois. Ok, c'est bon, vous êtes prêts? Vous avez tous mis un elo? C'est bon. Ok, on va voir un peu vos réponses. Qu'est-ce qui a été affiché ici? Qu'est-ce qui a été répondu? On voit que ça se situe autour de gold et de silver. C'est pas pour signer. Bon, déjà, je peux vous dire que il y a des points. Oh, okay. Il y a des points déjà. Donc ça veut dire que ça se situe entre gold et silver, c'est un des deux. Et par contre, il n'y a pas de tout pile, malheureusement. Donc je suis navré de vous dire, Cherki et Narcus, que vous êtes allés trop haut. C'était bel et bien du silver. C'était du Silver 3. Silver 3. Donc un point supplémentaire pour Myrtus et pour Qatar. Pour l'instant, Cherki toujours 0 points. Hein. Ouais, T'es super gaze à ce jeu. Ouais, je Allez, troisième clip, on va pouvoir y aller. On va pouvoir enchaîner pour l'instant. Cherki qui va bientôt faire une danse tout nu. Je suis juste pour ça. Hein. Attends, est-ce qu'on peut afficher,
effacer la réponse. Comme ça, on voit un petit peu les golds et les kills. Ah, c'est bon. Donc, on voit le fight hein, avec un ultimate de Fiddlestick. En fait. Un Fiddlestick. Hein. Regardez bien les pseudos. Regardez bien attends, tout. Attends, mais ça, c'est. Ça, je connais ce pseudo. Peut-être. De la Samira ? Non, du Fiddle, non ? Non, tu connais pas. Ah oui, mais oui. C'est qui le Fiddle ? Mais oui, il s'appelle Mimoletus. C'est Mimoletus. Mimoletus. Est-ce que ça peut vous donner une indication Je sais pas pour les lots, mais. Par rapport à son level. De toute façon, je sors que c'est un viewer. Putain, mais c'est Narcus. Si c'est un viewer, il est forcément nul. Mais il est fan de Narcus. Ouais, je pense déjà, c'est un de mes viewers, donc forcément, il est un peu fort. Ok. Ouais. En vrai, là, il fait bien. Hein. En vrai, il fait un beau move. Il se met dans le fog. Le passif, tac, bim. L'ulti est magnifique. Narcus coup de never. L'ulti est bien. Analyse de Narcus d'un gameplay Fiddle. Ouais, il s'est caché derrière un mur là. Il a bon, c'est Tristana la dash en mêlée. Hein. Bien joué. La Tristana elle a vraiment run down par contre. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent niveau attends, compo mais il y a Lelouch. Mais oui, c'est ce que je t'ai dit. Joueur pro de TFT. Hein ouais. Lelouch, c'est un joueur pro de TFT. On voit un pseudo, il y a Andariel aussi. Peut-être qu'il joue à LoL aussi. Andariel sur Kalista. Moi je pense que je l'aime. Vous l'avez ? Ignite top. C'est un pseudo bien fan de K-pop au top d'ailleurs. Je vois pas les pseudos des teams de droite en fait. C'est vrai que c'est un petit peu long. Attends là. Mais c'est Smolder top. C'est Shirashi. Ah. Ouais, Smolder top. Je sais pas si c'est. Smolder top, Z mid, Evelynn jungle. T'as vu le nombre de kills en 28 minutes quand même, ça c'est quelque chose aussi. Hein. Après ça veut pas dire grand chose. Ouais, des fois c'est juste des coups de fiesta, il y a des games comme ça. Je te jure qu'en Iron, il y a moins de kills je pense dans une solo queue genre. Ah oui. Peut-être. Que déjà il joue avec. Je pense que c'est 100% viewer parce qu'il joue avec First Strike. Genre y'a que Narcus qui joue First Strike non hein. En vrai ouais. Bah les joueurs pro coréens ils jouent pas avec Strike. Alors que là regarde plus 321 gold sur le First Strike hein. Grand respect. Alors est-ce que vous avez déjà commencé à mettre des réponses ou pas? Ouais mais je suis pas du tout sûr de ma réponse. Je suis perdu. Là ça va être dur. Avoir un tout juste Je sais pas si c'est Master. Je me dis la même chose. Moi j'ai. Bah, vas-y, go hein. Allez. Parce que là, ça fait 22 fois le clip. C'est ça, on a vu l'ultimate, c'est bon, on est fatigué. Alors, quel. Monte ça. Parce que du coup, je connais des quelle pseudos, est la réponse mais... Ah, tu connais des pseudos? Oui, mais je sais pas si oui, c'est Master. Je sais pas j'aime. C'est quoi leur elo. Ah ouais ah. Bah, moi, je sais pas si c'est Master ou. Ah, non, c'est pas du GM, c'est du Master ou du GM. Donc, Myrtus qui connaît déjà les joueurs, qui reconnaît des gens. Donc, bon, comme on peut le savoir, du coup, Myrtus a dit que c'était Oelo. C'est des joueurs qu'il connaît. Donc on voit que vous avez mis diamant du côté de Qatar et de Shark, c'est trop bas. Voilà, c'est trop bas, je vous le dis tout de suite. Ah ouais, c'est du Master. Ça joue entre Master et GM. Ça joue entre Master et GM. Moi je pense que c'est Master. Et ça se joue bien entre Master et GM. J'aurais parce que Master. C'est du Master 300 LP tout de même. Je savais que c'est pseudo. Donc Narcus. Mais Andariel et Mali c'était Tcha la saison d'avant. Mais en fait le truc c'est que forcément on devrait déterminer de quel joueur on parle, tu vois. Parce que ça se trouve, c'était un master perdu dans une game de Chal. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est que le joueur qu'on regarde. Mais là, c'est que le joueur qu'on regarde, c'est le joueur qui fait le move. C'est Fiddle, c'est Fiddle qui a linké le truc. Évidemment. Hein en vrai, c'est injuste. Mais du coup, ça compte comme un parfait, ça ? Non, ça compte comme un point. Bah non. C'est un parfait, c'est un parfait. Il est master. Mais c'est un parfait. Tu veux pas avoir de. Mais tu veux avoir deux points. Bon, deux points, que master, entre Master 0 et Master 500 LP, c'est pas abusé. C'est abusé. Non, c'est abusé. À la limite, vous savez quoi ? Pour les prochaines, si jamais vous mettez Master, vous mettez 1, 2, 3 ou 4, et on va dire que c'est dans la centaine. Ok, ça au moins, si c'est Master 3, c'est Master 300. Ok. Et si jamais du coup, là, j'ai 300 et 300 et la prochaine, on fait comme ça. Non, là, tu prends un point. Et là, t'es déjà premier, arrête de faire le jeu. C'est déjà très bien. Donc là, on va pouvoir analyser le gameplay d'un Nautilus sur ce quatrième clip directement. Donc un Nautilus là, analysez bien. Oh là, oh, il est big hein. C'est gros ce Nautilus. Oh le petit. Attends, mais, il est gros comme ça. Mais on voit rien du tout. Ça clique hein. C'est un gameplay de près. Oh, ouais. C'est un. Pourquoi ça cache le pseudo? Ça cache les pseudos, ça cache les pseudos exprès. Quelqu'un de Solari qui a fait ça. Hein. Juré CR aussi. J'espère que c'est pas aussi. Mais non, Juré CL. C'est ça hein. En vrai, non, ça a caché les pseudos. Elle a fait des clips en deux, celui-là, c'est bien. Après ça, c'est honteux quand même. Ah, c'est lourd. Moi je vous le dis c'est du... Ouais. On va vous dire mais... C'est bizarre les moves. Ça rigole trop en régie, 100% c'est os hein. Non mais parce qu'en fait il y a que Nautilus qui se chie dessus et les autres ça va tu vois. Mais ça cache les pseudos. Genre le Horn il buffer son E sur le Fear de Vex. Tu vois ça c'est pas un truc de bronze. Après Horn a quand même cool Nautilus, ça c'est Myrtus. C'est Myrtus ça non? Bon, c'est pas ce qu'il a.
Non mais le Nautilus a pété son crâne. En fait, ça peut être tous les élos là. Je vais mettre n'importe quoi. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sur ce plateau peut-être aussi? Non, c'est pas moi. J'ai tenté, on sait jamais. Parce que l'ulti sur Sivir, il y a rien qui va. J'ai une question. Si c'est, supposons, on a parlé d'une personne là il y a l'instant, elle a des comptes émeraude, diamant et master. Comment on sait que c'est quel On prend le main Elo. Tu prends le main. Okay. Le main Elo. Je crois que ça va pas bouger. Hein. C'est bon. C'est pas elle, force. Je sais pas. En fait, je me fais bait là. Ah, je me fais bait aussi, il y a eu trop de rire. Hein. C'est bon, parce que là, le niveau est vraiment, vraiment low. Mais... Ah, c'est... On peut le dire. Hein. En fait, le niveau était à chier. Tout le monde se fait bait. On peut le dire. On peut dire que le ou la joueuse qui était présente sur cet écran était absolument à chier. C'est d'accord. On est d'accord là-dessus. La personne a pété son câble. Mais là, il y a trop de rire en régie, il y a trop de trucs. C'est peut-être quelqu'un de la régie sinon. Voilà. En tout cas, on va pouvoir afficher l'élo que vous avez mis de votre côté. Vous avez mis quoi comme élo? Master. Bah écoutez, comme ça au moins c'est clair et net, personne ne prend le point. Voilà, comme ça c'est clair et net. Ce n'était donc pas Aos, c'était un dénommé Snero, un de nos ultras. Ah. Qui. Et quoi? Qui est Emerald 3. Voilà. Qui... Ah, Emerald! On s'est fait bête. J'aurais mis bronze ou silver sinon. Oui. Ah, mais il a pété son crâne, il a pété son crâne. Juste quand tu pètes ton crâne, tu fais pas ça. Si. On t'a déjà vu sur l'histoire faire pareil. Oui, on t'a déjà vu en LFL. Doucement. En solo queue, quand tu pètes ton crâne, tu fais n'importe quoi. Je pense qu'il y a des moves que t'as fait en LFL où on peut faire le même jeu. Hein. Et c'est pareil. Hein. On s'est fait bait. Vous êtes fait bait, vous avez pensé que c'était le problème, il y a eu trop de rire en régie. Le problème, c'est qu'elle a envoyé des clips. Il fallait pas qu'elle envoie des clips en fait. Moi, dès que je vois un Nautilus, un truc, ou un Blitz. C'est ça. C'est elle, c'est Master. C'est ça. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, personne ne prend le point ici. On va pouvoir afficher instantanément le cinquième clip, qui est une game en solo queue. Et il va falloir analyser ici le Kha'Zix. Les gens hésitent, gauche-droite. Yeah, petit poc, on proc les cliffs. Regardez les pseudos, il y a un pseudo cassé. Il y a des tags. Il y a des tags dans la game, donc c'est forcément du pislo. Ouais, en vrai, le tag en question, je le vois pas souvent. Myrtus, je sais pas ce que t'en penses, mais. Tu le vois en haut et loin un peu ? Okay. Bah, il le voit sur les joueurs pro de la structure. Oui, bah oui. Alors voilà, je vous laisse le temps de recheck un petit peu le move. 21 minutes de jeu, 30 kills dans cette game. Au niveau des compos, on a de la Naafiri. Ah, le petit Jarvan, il est tellement honteux, genre. Ouais. Hier, elle fait n'importe quoi. Hein. Ça joue pas super bien. Hein. Ouais, ça va. C'est pas fou, mais ça va. Oh là. Ok, attends, parce que. Attends, je vais avoir une garde folle. Étrangement, le joueur avec le pseudo cassé a vraiment fait de la master chiasse tout du long. Regardez bien. Déjà, là, le Jarvan, il utilise un Alistar et un Kha'Zix. Hein. Regardez très très bien ce qui va se passer du côté du Jarvan. Hein. Le Rakan okay. Aussi. Il met un combo sur l'Alistar. Teamfight pas de fou quoi. Même la Sylvie, regarde là, elle court, elle tape pas. Voilà. Oh, le flash de Xayah après l'auto-attaque. Oh. Donc là, il y en aura pas en bas. Oh là. Et regardez, hein. Là, le Jarvan qui met quoi? Hop, juste le Q-spell, flash in, meurt. Voilà. Voilà. C'est bon. Quand même. Voilà, donc là, attends, vous avez quoi, assez. C'est quoi le pseudo du Jarvan? Casser quelque chose. Merde. Hmm. Je pense que ça clique quand même un peu. Tu penses que ça clique un peu ? Dans le chat, n'hésitez pas à participer aussi de votre côté. Mettez les élos comme ça. Voilà. Si jamais vous trouvez les bons élos, eh bien, vous gagnerez absolument rien. Mais, t'as mis quoi ? Mais moi, ça sera bien ça. Ouais, non, t'inquiète. Vous gagnerez un grand fausse, pouce. Hein. Ah, c'est peut-être la fausse. C'est la fausse. C'est peut-être la fausse. Ah, bah, mis 4 alors si c'est la fausse. Ah. Non, je perds un petit D3. La fausse des 4 ? J'entends des voix à côté là ? Je pense que c'est la fausse. Il y a tout n'importe quoi. C'est peut-être tout dans. J'hésite entre les deux. Moi je sais c'est quoi. Moi aussi je sais c'est quoi. Ça. Tu fais ça. Moi je suis perdu. En fait, il y a une indication qui a tout donné. Moi je vais juste danser tout nu. C'est quoi? C'est les dragons. Il y en avait deux ou trois, non? J'ai pas check. Et voilà. Et il faut regarder, il faut tout regarder. Pour les prochaines, il faudra tout analyser. Et voilà. Compo, dragon. Vas-y, go les résultats. Kill, gold, etc. On va pouvoir afficher les résultats. Qu'est-ce que vous avez dit, vous, de votre côté? Donc du diamant 1, du gold 2, du gold 3 et du diamant 3, on voit que c'est diamant 1, c'est assez diamant espacé. Ouais. On voit que c'est très très dessus. Espacé quand même. Ouais. Ouais. Tu veux qu'on mette tes games, si la civière est diamant 1, je... Il y a des réponses? Il y a des bonnes réponses? Attendez. La réponse va s'afficher tout en haut de votre écran. Et la réponse était...
Platine 1. Ah, j'ai hésité entre gold et plate. Dommage, dommage, personne ne prendra de points ici. Le chat a voté aussi. Vous pouvez voter. On n'avait pas dit le plus proche. La majorité a dit gold. Et du coup, le plus proche, c'est vrai, le plus proche. Et donc, non, c'est moi. Bah non, c'est Qatar. C'est donc Qatar le plus proche. C'est maintenant, sinon c'était moi. Attends. Oui, c'est moi. Oui. Non, ah attends. Si, il y a tout l'émeraude, il y a tout l'émeraude à remonter. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a émeraude maintenant. C'est vrai qu'il y a émeraude. J'avais oublié qu'il y avait émeraude entre temps, donc tu as raison. C'est bel et bien Qatar qui prendra donc un point sur cette, réponse. Bien joué, Qatar. Bien joué, Qatar. J'ai hésité entre plate et gold. On peut regarder un petit peu au niveau des points là où est-ce qu'on en est pour le moment. Non, c'est bon, on n'est pas obligé. Ok, donc là, ça fait une belle suite. On a 0, 1, 2, 3. Voilà, pas mal. Pour l'instant, Narcus qui est devant. Et pour l'instant, Sharky qui est. Qui peut aller chercher son gage là. Non, ça peut remonter vite, il suffit d'avoir des pixels. C'est un pixel, c'est deux points, c'est énorme. Hein. C'est impossible. Donc là, on va pouvoir analyser maintenant le sixième clip. Il faudra regarder le Galio. Galio, pas facile de déterminer les lots, c'est un perso pas très. En plus, un niveau 1. Wow. Niveau 1. Ouais. Ça start. Ok. Et le petit taunt. En vrai, pour l'instant, ça trade bien. Ok, t'as le body block. Tourelle. Oh non. Oh le body block. Alors attends. Ok. Il a juste envoyé ça. Ça peut être tout. C'est l'ancienne map, non? Ouais. Je me disais la map elle est mieux, mais ouais. Après, c'est du beau body block. Ouais, c'est un peu du droïde. Ouais, je sais pas. En fait, la Katarina. La Katarina est particulièrement honteuse. C'est quoi ouais. Tout ce qu'il a level up avec sa souris, quoi. Ah ouais? Belle année, ça. C'est bien vu ça aussi. Ouais, mais en fait. La Kata elle flash même pas, elle en a un à foutre. Ouais, elle a pas de flash. Elle a peut-être pas de flash. Hein. Okay. C'est que. Il est même pas que. Il record sa pauvre. Est-ce que tu penses que c'est un. C'est un prank? C'est une scène organisée? Non, mais. Je vois pas pourquoi les Silver recordent. C'est une bait avec Olaf après. Hein. C'est Olaf qu'on bait une top. Hein. Après, tu sais, ils ont pas forcément besoin de record, ils peuvent juste envoyer des gameplays. Qui récupère de OPG, par exemple. Tu sais que maintenant t'as des sites aussi qui recordent ta pop pendant et tu peux clip après, genre. Vas-y. Bon, de toute façon, là ça va être au pif. Voilà, c'est très aléatoire. Donc la réponse du chat pour l'instant c'est Silver. J'en sais rien. Je sais pas, il y a marqué en haut à droite Silver du côté du chat. Ok. Vas-y, je fais confiance au chat moi. Je sais rien. Le chat parle au hasard. C'est vrai qu'il parle au hasard, je m'égote en fait. Pas. Moi, je pense. Rien qu'à la draft. Rien qu'à la draft là, t'as là le draft. Gars il se dit il est fier de ça. Hein. Ah ouais, ah ouais, il a body block, il a fait son taf. Hein. Ouais, bah, juste, peut-être il trouve ça juste marrant, tu vois. Disons qu'il pouvait pas faire grand chose de plus. Ouais. Ouais. En réalité, bien joué le move. Voilà, il a bien joué le move, il a mis les autos comme il fallait, il a mis son gros corps en position. J'ai déjà lu. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous avez mis vous? J'ai mis. On va voir, vous avez mis du gold, du diamant, du platine, du gold. La fausse. Et je suis navré de vous dire que personne n'a la bonne division, personne n'a donc de points ici. Copier, Mertus. Je veux que ça fasse. Et que la réponse était donc en dessous. Émeraude 2. Oh non, je voulais mettre émeraude. C'était du émeraude 2. Et donc, qui est le plus proche ici? Qui est le plus proche? Qatar qui est donc à une... Deux divisions, c'est Qatar le plus proche. C'est Qatar le plus proche. J'hésitais à mettre émeraude, mais vu que c'était l'ancienne map, je sais pas quand est-ce qu'est sorti l'émeraude. Je sais pas non plus. Il y a 3 ans. Ah ouais, déjà ? Non, attends, émeraude ? Ouais. Ah non. Parce que la nouvelle map, c'était. Ah ouais ? Ah, du coup, ça veut dire que le clip date de l'année dernière. Je sais plus. Non, parce qu'en fait, Iron Gems, c'est sorti il y a. Ouais, c'est il y a longtemps. Iron Gems, c'était un an avant la nouvelle map. Ok. Ils ont voulu diluer la fosse, quoi, avec l'émeraude. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est le 100% de la fosse de avant. C'est potentiellement du diamant 4 d'avant, en effet. On ne sait pas. En tout cas, Qatar qui prend encore un point, parce que c'est lui le plus proche, et qui vient égaliser Narcus. Hein. Ouais. Pas mal, pas mal. Bon, un autre clip encore qui a été envoyé, et cette fois-ci, on va devoir analyser la Renata. On aura une cam de loin, donc on pourra analyser un peu plus en détail cette game-ci. Donc la Renata. Panthéon qui se suicide. Ouais, Panthéon qui pète son crâne. Hein. Attends, c'est juste ça là. Le bordel. C'est quoi ce fight, frère? Il y a tellement de trucs à analyser. Premier degré, j'ai l'impression d'avoir déjà vu le clip. Ah bah. Qatar, est-ce que c'est une de tes games? On ne sait pas. J'ai peut-être vu sur TikTok. Non mais. c'est le genre de clip de merde. Mais sur TikTok, généralement, il y a des trucs plus spectaculaires que ça. L'ultimate est pas mauvais. Donc c'est la Renata, hein, je vous rappelle. Hein.
Elle appuie sur Z. Ouais, ouais. Au niveau du farm, regardez un petit peu. Hein. Elle a mis un petit... Elle a mis le R sur deux cartes. 13 minutes de jeu, là. 13 minutes de jeu. Il oh, n'y a pas de farm, hein, pour contre. Il y a un peu de farm sur la Oriana, à la limite. Il y a 8 kills. Ouais. Donc on voit que c'est une game où ça se fight beaucoup. J'ai l'impression qu'on a que des games où c'est le déclin fait ça depuis le début. Hein. Le Panthéon, il a pété son crâne. Ah, le hein, Panthéon, il a vraiment pété un câble. On parle pas assez, mais ça paraît bizarre. Là. Gepetto, il a pété son le crâne. Le Panthéon a vraiment un rundown. Le Jax fait un move ok, il vient se taper, mais trop tôt tout seul. Tout, hein. Ouais, l'Orion joue bien. Alors, Nata, un V9 en fait. Rien, t'as mis un bon Z, elle met un bon ult. Elle a mis un bon Q-spell au Réunion aussi. Elle a mis un bon Q-spell au Panthéon. Le Panthéon, le cancel. Ouais. Elle a Air Flash, elle a Z la Kalista. Elle a Q cancel Aurelio. Air Flash, ça va rien. Oui. Bah non, il a touché les deux quand même, non? Non. Je pense. Je sais pas, Jax. J'ai l'impression qu'il était en mêlée quand même. Ah, c'est bon, j'ai voté. C'est bon, vous avez voté? Non, non, pas encore. Moi, j'ai pas bougé. Après, vous êtes bien, vous pouvez analyser hein, tranquille, hein, prenez votre temps pour analyser un petit peu les moves. C'est bien de tout regarder, de voir comme l'a dit Narcus, par exemple les Drake. Là, on voit qu'il y en a un seul en 14 minutes aussi. Ouais, c'est pas beaucoup. Ça peut être une indication par rapport à l'Elo. Quel okay, pas les merdouilles, il y en a eu? Non. Si. Si, il y en a eu. Il y en a eu deux? Il y en a eu 4 Red Side et. Ah, il y en a eu 6. Ah oui, c'est en haut. Okay. C'est tout en haut. Après, j'avoue qu'il y a qu'un Drake alors qu'il y a la Kalista à 8 kills. Ah justement, ça c'est justement. Fight. Ça veut dire que ça, 4, c'est, ouais. Ça a beaucoup, beaucoup temps, fight. Hein. Ok, c'est bon. Je vois qu'il y a de la réflexion là, je vois que les visages sont tendus. C'est bon. Hein. Bon, on voit que ça veut pas faire des TikTok tout nus. Oh, okay. Si, moi j'ai envie de faire que ça. Ok. Je vais rester à 0 points. Vas-y. Alors, Elomi, vous avez mis du Master Platine Diamant 2, Emerald 2 finalement, pour Sharky. Je voulais mettre Diamant, mais trop tard. Et on peut dire que là, il y aura du point. Il va être pris. Ah, il y aura du point, donc c'est une du point. Qatar. Et donc, ouais. Oui, effectivement, Narcus, c'est bien vu. Ce sera donc Narcus et Qatar qui prendront des points. C'est du Master. Je n'ai pas l'indication, par contre, du nombre de LP en Master. Donc, il n'a pas mis. On va dire que c'est un point. Un point. C'est un peu douillet, quoi. Un petit peu. On mais un écoute, peu si c'est pas indiqué, c'est pas de ma faute. Hein. Il y a juste marqué Master, c'est Master. Il fallait mettre Master 0. Voilà, Master 1. C'est ça. En tout cas, deux points de prix, encore une fois, Qatar et Narcus qui s'envolent. Hein. Peut-être qu'ils vont aller faire un tête-à-tête. Ah ouais, au ça resto. Jouait. Hein. Ouais, ça jouait pas de mal. En vrai, ça ouais, en vrai, ça allait. Franchement, c'était pas de mal. En fait, tout a c'est été touché, typiquement quoi. Les erreurs qu'il y a eu, c'est des erreurs que tu vois en Master où les mecs sont juste tilt. Genre Panthéon qui dashine un V3. C'est le genre de truc qu'en solo queue, tu vois typiquement. Tu vois. Il file le c'est Panthéon vrai, et je dis, vas-y, je vais engager, ma team va follow-up. Non, mais il engage tout seul. Genre, j'ai pas l'impression qu'il y a des mecs. En solo queue, mécaniquement, tu vois, ça jouait correctement. Tous les spells ont été touchés. La prise de décision, la Rachita a bien joué. Non, franchement. J'aime Aurélien, tu vois, il touche tous les petits 3 personnes. Shockwave, 2 personnes. Gold, Master, c'est la même chose. Ouais, excuse-moi, le challenger top 20. Ouais. Bah, il fait que jouer avec des masters, il arrête pas de s'en plaindre, il arrive non, pas à les reconnaître. Bizarre. Ah, c'est bon là, t'es sorti de la fosse? Ouais. Bah, je sais. Non, je sais pas. Genre, d'un jour à l'autre, il y a plus de masters dans mes games. C'est juste qu'il y a des jours où il y a des chals qui jouent et des jours où il. Non, non, mais vraiment, genre, d'un jour à l'autre, littéralement. Bah, déjà, je faisais des culs de 20 minutes. Et ça, c'est normal. En chal, c'est normal. Non, parce qu'avant, je proquais en 2 minutes et j'avais que des. C'est pour ça que t'as des masters. Bon. Parce qu'ils mettaient n'importe quoi. Ils mettaient mais je crois qu'ils ont patché le truc en vrai. Je crois que c'est juste quand t'es en loser ou winner queue. C'est juste ça. Hein. Juste ça. Et un jour t'es en loser queue, t'as gagné avec que des masters. Et un jour t'es en. En vrai, enfin, ça, dans l'inverse. Ça cliquait. Enfin, oui, ça cliquait. Ouais. Narcus, tu penses qu'il y a une théorie du complot sur. C'est pas une théorie du complot, c'est une théorie de. C'est-à-dire que tu tags plus vite quand t'es en loser queue? Je sais pas. Bah non. Peut-être. Bah c'est ce qu'il dit. Il est en mode vu qu'on te met avec des masters, tu tags plus vite. Ah, pour les Waylo, ouais. Ah oui, si, pour les Waylo, ouais. Pour les si, challengers, oui, je pense que pour les challengers ouais. Oui, en gros, tu vois, souvent, on te met. Quand on te met. En fait. Ouais, vas-y, bref. Osef. On va pas débattre sur ça. Ça je voulais avoir une analyse de l'algorithme. Non, ça j'ai lancé exprès pour ça, en tout cas. Ça malheureusement, il n'est pas tombé dans le piège. On va pouvoir lancer eh bien, le prochain clip qui va être le Darius cette fois-ci. Oh, l'ancien buisson. C'était tellement mieux la map avant. Ah ouais? Ouh, moi je trouve ça bien maintenant. Moi c'est le. Là il rompt niveau 2 là. Mais je fais quoi le coup? Il va jusqu'au bot. Attends mais. Il fait quoi? Non, 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 non. Il est un ghost en plus. Attends, mais... il joue quoi? Il joue l'étal tempo ou Conqueror? Qu'est-ce qu'il fait? Il est le frérot. Non. Alors ça c'est pas de l'Iron 4. Non mais je pense qu'il troll. Ah oui, je pense qu'il est en full trolling. Ah là il prévient.
il a hard push la wave, il a crash la wave et voilà quoi, petite décale. Il a crash la wave, il s'est dit je vais peut-être tenter un truc dans la jungle adverse, je vais peut-être faire un petit tour. Attends, mais ça c'est vraiment un gars qui est. Attends, c'est un fiddle en face, ok. Donc ça c'est un gars qui a envoyé ça en mode. C'est peut-être pas lui qui l'a envoyé, c'est peut-être un de ses mates qui s'est dit mais attends, j'ai envoyé skip, c'est quoi ce connard avec qui je suis tombé, tu vois. C'est possible aussi. Mais Lelo ne change pas. Oh, c'est pas humain ça. C'est moyennement humain. Attends, mais pourquoi il était level 2 si tard en plus? Il a peut-être remonté au niveau 1, on sait pas. J'ai l'impression qu'il est passé niveau 2 plus tard. Parce que là, Mondo, il passe niveau 4. Est-ce qu'un silver pense à Rome comme ça hein? Bonne question. Tu penses que c'est juste un connard? Je pense que c'est juste... Genre, c'est du challenger et là, le Darius, non, c'est... Non, pas un challenger, mais un diamant émeraude qui est en mode, oh, faut que je clutch ma game là. Après, au moins, il décale après avoir crash sa wave, tu vois. C'est déjà ça. Ouais, ouais. Déjà, il y a des majuscules sur les pseudos. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, c'est pas de l'iron. Après, le Ezreal n'a pas de majuscule. Hein. C'est Pew Pew Awesome. Bah, il y a une mage, non? Non. Après, ils ont ranké un World Bard, du coup, c'est une tchal. Hein. Ok, si c'est ranké un World Bard, c'est genre le mec qui est rank 1 en EUNE avec 2000 LP. Et en fait, il est genre D4 en Europe, tu vois. Peut-être. Je sais pas quoi, mais. Et que c'est tous des OTP Kata en plus. Hein. C'est un mec de la fosse, hein, c'est bon. Ouais, je trouve ça bizarre, diamant, ce serait bizarre. Enfin, moi, il y a une indication qui m'a trigger. Mais... Ok, dis-nous tout. Alors, c'est quoi je dirai après quand tout le monde aura voté. Ok, attends. Je vais me moucher. Vas-y, va te moucher. Un peu de temps de réflexion. Réfléchissez bien, regardez bien tout. Il y a eu un fight niveau 1, c'est sûr, il n'y a plus aucun summoners et tout. Ouais, non, il a encore ses summoners. Non, mais les gens, regarde, au bot et tout. Ouais, juste au bot. Le fiddle. De la flèche dans le vide. Et juste au bot, il vient de fight au bot là. Il a cancel un bac au mid, hein, attention. Hein. Il a fait gagner de la tempo à son midlaner. En vrai, c'est vrai que c'est bizarre. Ah oui, attends. C'est sympa le chat hein, entre Iron et Diamant. Ouais. Ah oui, c'est très, très disparate quand même. Ouais, la vie du chat, hein, faut pas le prendre en compte. Et ils ont des points le chat. En fait, Narcus a regardé le pattern de Fiddle, c'est ça qu'il faut regarder. Mais en vrai, de vrai, ça se trouve, il a pas start au Corbin Red. Du coup, il ça se trouve, le Fiddle, il. Enfin, il connaît le fiddle et il sait que le mec va être sur ce timing, tu vois. C'est pour ça qu'il est. Ouais, c'est juste le GOAT. C'est quoi la réponse? Le GOAT. Ouais, alors, déjà, on va regarder vos réponses. Attendez, il manque la réponse de Qatar. Sharky, t'as mis ton vote, c'est bon? Ouais. T'as mis un elo au hasard, ça? Totalement. Si au-dessus de je crie. C'est vraiment au hasard. Hein. Alors, si vous avez voté? En fait, ça peut être tout, mais. Allez, je mets ça. Ok, bah écoute, Myrtus. Pourquoi il bougerait comme ça en bronze? Tu as mis silver, bronze, silver, émeraude. Bah écoute, Myrtus, je pense que tu peux hurler. Non. Si. Arrête. Parce que la réponse est platine 2. Oh, c'est le premier bon shark. C'est moi le plus proche. Ouais, et du coup, en vrai, c'est honteux. En vrai, c'est très très honteux. Je suis d'accord. Mais il aurait pas décalé en crachant sa wave en dessous de gold. C'est sûr. Ouais. Il aurait juste décalé tout court. C'est ça. Soit il aurait décalé tout court, soit il aurait rien fait. Il aurait attendu devant la tour adverse. Non. Si, en silver. Non, il y a des moments où les mecs, tu sais, ils se sentent chauds. Oui, ils auraient pas crashé la wave. Si, des fois, t'es là. Si, t'es là, t'as push, tu es en mode je dois roam. Parce que là, son crash, c'est sa mère. Il a crash et il a raté deux waves. Il aurait invade le bleu, pas au red. Bah non, ça, c'est le bon play. Là, tu parles du bon play, justement. Là, c'est le mauvais play qu'il a fait. Là, il aurait invade le bleu. C'est qu'il a décalé trop longtemps, c'est tout. Il est parti à l'autre bout de la map. Il a quand même traversé mid. Il a quand même traversé mid pour aller au red buff. Il est repassé par le mid. Il a pété son crâne. C'est vrai. Mais c'est vrai que ce que dit Sharky n'est pas faux. C'est vrai qu'il a décalé sur un timing. Oui, il pouvait décaler. Il n'a pas décalé de manière totalement random. Juste qu'il a un peu overextend son lane. Je pense qu'un silver serait resté là dans son bush. Un silver ne décale pas de sa lane. Mais t'as vu tout à l'heure le silver Garen qui fait double kill sur la tour adverse. C'est vrai que c'était le GOAT. Le Garen était. Ah, mais c'est sur sa lane. Non, c'est vrai qu'il kill. Il a quand même tué entre les deux tours. C'est pas vraiment sa lane. C'est sa lane. Bon, du coup, Sharky prend son premier point. Bien joué. Bien joué, Sharky. Félicitations. Bien joué. Tu es très très fort. Maintenant, on va pouvoir assister à un magnifique gameplay sur une Senna. C'est bien fait, bait. Et du coup, vous avez les pseudos qui sont affichés. On voit qu'il y a un Sly dans le pseudo à droite. Vu le Sly bah, c'est sur la Senna justement. C'est la Senna. Sly Vanto Oreo. Tranquille, vous pouvez regarder plusieurs fois pour vous donner un petit peu un avis. On voit qu'il y a du Warwick Top, on voit qu'il y a une Nas du Jungle, certainement fan de Skyheart. Attends, si on regarde qui là la Senna, mais c'est vrai qu'il y en a un ulti là. C'est un simple player Sly. Regarde là, le truc qu'elle a fait, c'est de hop se prendre. Hop là, on compte, c'est la vision. C'est les faire de ça. C'est le truc qu'elle a fait, c'est de se prendre un angle de sèche.
Ça a mis une auto quoi, ça a mis des autos. Regarde là, regarde l'ulti. On relook un peu les gars. Oui. Il fait quoi genre? Attends, mais il y a une TP de TF. Attends, TP TF Blue Card derrière là. Attendez, on peut remettre la TP. Arrête, ouais, que t'as déjà fait ça en LAN. Non, mais t'as vu où il a TP le TF? Attends, déjà il est à l'autre bout, il écrit Demacia avec un T. C'est que le Demacia avec un T. Regardez où TP TF. Attends, on va regarder. Regardez le TF où il y a. Alors, le fight il est bien vers le haut de la ligne. Il TP bien bas là. Là, il hop, a même pas de carte. Il a pas la carte et là il prend la bleue. Ah, il a balancé en fait l'instant. Il a même pas le temps de réfléchir à quelle carte il va prendre. Il a juste sorti sa carte. Attends, mais moi ce qui m'inquiète, c'est comment tu peux envoyer ce clip là en fait. Parce que là, il y a rien, tu vois. C'est vrai que le clip est à chier. C'est... Non, mais vraiment, il y a rien. Genre. Justement, c'est pour semer le doute. Non, mais... Vu qu'il y a rien, on peut pas vraiment savoir et du coup, c'est marrant de voir un peu vos suppositions. Là, le Kitsuna continue. Ouais, mais en fait, ce qui m'inquiète, c'est de se dire que là. Flash de Jinx. Oh là 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 là, petit matou. Non, la France. Attends, c'est un double kill? Ah non, c'est même pas un double kill. Donc, ouais, il y a. Des Mathias. C'est un double kill. Non, non. Tef a pris un kill. Tef a pris un kill. Ouais. Il voulait dire c'est deux kills. Moi, je pense que c'est très très loin. La TP de TF, frère. Moi, j'ai rajouté une division parce qu'il a scié dans son pseudo. Hein? J'ai rajouté une division parce qu'il a scié dans son pseudo. Ok. C'est effrayant. C'est effrayant, je... C'est effrayant dans quel sens, tu veux dire, Kata? Mais attends, mais petit Matou n'a pas heal au niveau, là. Non, il a pas heal, il a flash sur place. Je peux pas modifier. Après, le time catch a mangé Senna. Même problème, t'as là. Non, la Jinx. Oh, le TF et la Jinx, ils sont... Ils sont ignobles. Moi, je pense que vous êtes des rageux. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Oh, hello, Mirsus. Non, ah, j'hésite. Okay. Alors, on va voir directement vos réponses ici. Le chat qui partirait sur du gold. Parce qu'il y a pour l'instant. Du côté du chat, ils ont du gold. Vous, de votre côté, vous avez mis quoi? On va regarder un peu. C'est du silver. Hein. Silver, gold, gold, émeraude. Vous avez fumé. En vrai, le problème, c'est que je viens de voir TF qui jouait AD et qui avait pris son Q. Du coup, en fait, non. Trop tard. Non, mais là, il y a tout qui est faible en fait. Il n'y a rien qui va. Hein. Ouais, mais il y avait les runes. Il n'y a rien qui va. C'est bah écoutez, c'est vrai qu'il y avait vraiment rien. Bah, moi je voulais mettre silver, mais vu qu'il a scié dans son pseudo, je l'ai mis gold. Ok. Bien joué. Il sera content quoi. Qu'il arrive. Gold. Sharky, bien joué à toi. C'est pas ça. Ah, okay. Du coup, bien joué à toi. Ce sera donc Narcus qui prendra un point encore une fois. T'étais sûr? Parce que c'est du silver. C'est du silver 1. T'étais sûr? Silver 2, silver 1, c'est pareil. T'étais sûr que c'était du silver? C'est pas pareil. Okay. C'est pas pareil. Tu prends quand même un point, Narcus. C'est bien joué. Quand je mets silver, c'est mon frère. Là, c'est vraiment fait. Sharky, cette division que tu lui as donnée en plus parce qu'il a le pseudo Solari, tu t'es fait bait. Maintenant, il est heureux. En fait, faut bien penser que là, il se passe rien. Et c'est pour lui, c'est un move de fou. Du coup, tu fais ça qu'il envoie. Ah bah, je suis désolé, mais il est nul à chier. Genre, non, on va pas se mentir. Il est mais... silver en même temps. Il est silver. En fait, il est à son niveau. C'est ça. Joueur nul à chier. Voilà. Oui. C'est juste. Dans le bottom. Flame et fan Solari, Marcus. Et je flame. Je dis la vérité, c'est pas du flame. Oui, ça. C'est comme si tu dis Joël sur LOL, bah tu peux le flame. Non, c'est pas du flame. Joël sur Apex. Sur Apex. Sur Valorant. Ou moi sur Valo, quoi. Joël sur Apex, j'ai regardé 30 minutes. Oui. Oui, légendaire. C'est né des yeux. Première balle en 4 minutes, 30 dans un mode capture de flag. Bref, ne parlons plus de ça. J'ai fait assez de cauchemars là-dessus. On va passer maintenant sur le prochain clip qui sera donc un clip avec un Darius. Encore. Un Darius, encore une fois, Darius, personnage très populaire. Il va se battre ou il va courir? En solo queue, en quête. Et donc, vous allez voir, il arrive d'où? Il arrive d'en haut là. Là, vous le voyez arriver d'en haut. Hop, on met le E, l'auto-attaque, le Q. On touche bien les zones comme il le faut. Il a mis Space pour plus belle. Il a explosé. Voilà, Kindred, elle joue en mêlée. Kindred qui joue en mêlée, elle n'a rien compris. Ok, voilà. Donc là, vous allez revoir. Très belle teammate de Zira ici. Hein. Ouais. C'est une game. Mais Kindred, elle a pété son crâne. Il y a Lulu mid à 48 CS quand même. Là, Kindred s'attendait peut-être pas à se faire turn comme ça. Et le problème, c'est que là, la game, c'est un stomp donc. Mais ça doit être une flex. Hein. Je pense pas. Je pense regarde, il y a Lulu mid. En fait, c'est low aussi ça. Lulu mid 48. Mais... Non, c'est peut-être juste une duo. C'est... Ouais, c'est peut-être juste en duo Kindred et Lulu. Ce qui est possible. Moi j'ai ma réponse. Très tranquille hein, sur le Fizz. Hein. Donc le Fizz qui a bien snowball sur la petite Lulu qui s'est fait arracher. Et bon, encore, je pense que c'est la rombot. Hein. Je pense qu'il a plutôt rombot. Quand on voit le nombre de rombot. Je sais pas s'il mettait la Lulu sous tour et après il allait bot faire double kill. Hein. Ah, premier degré, mais ok, il s'en sort bien. Parce que le match-up est injouable. Hein. Il a que 26 de retard. Ah, là, c'est... Moi je dis que c'est low.
Moi j'ai la réponse. Oh, moi j'ai la réponse. Il y a Zira qui a 60 CS, elle a plus que de 2000. Bah déjà. Après Zira ça farm. Hein. Zira, ça après farm, moi quand j'ai une Lulu mid et que je joue Zira, je vais prendre le farm au mid. Hein. Ouais. Peut-être ils ont swap. Hein. Ils ont 5 CS minutes. Mm-hmm. Mais non, il a 140. Red side, ils sont en train de prendre T2 mid. Ils sont en train d'invade au raid. Non, non. Juste non, Myrtus. Je refuse. Tu refuses de croire que c'est un elo décent, c'est ça? Je refuse. Tu penses que pour toi c'est extrêmement low? Là que le niveau est. En gros, cadavérique. Si c'est pas, je sais. Si c'est pas bronze, je. Je sais pas quoi je fais. C'est jamais bronze. Vas-y, c'est bon. Ouais, je vais rester hein, dessous. C'est bon, c'est bon. Myrtus, tu as déjà mis? T'as déjà voté ta. Ouais, c'est bon. Très bien. Le chat est encore sur du gold, j'ai l'impression. Ouais, c'est le chat continue ça. De voter gold. De votre c'est côté, gold, qu'est-ce que vous avez gold. Répondu Narcus qui vote gold, Myrtus qui vote bronze, du coup, de ce qu'on a compris. Gold aussi du côté de Sharky. Qatar, ça n'a pas été mis à jour. En train de tricher, là. Qatar a mis émeraude 2. Il a vraiment mis émeraude 2 ouais, ouais, comme ouais. Par hasard. Je vois là, sa tablette. Mais non, mais il voit mes réponses. Ok, ok. Bah écoutez, personne n'a la bonne division. Ah ouais. Malheureusement. Dis-moi qui c'est vert, pour moi. Ouais. C'est du platine. Arrête! Oh. C'est du platine. Et du coup, c'est du platine 2. Mais donc, c'est moi. C'est Narcus. Le plus ils ont 5 CS minutes. Ouais. Ils sont en train de prendre la T2. À la phase de défendre. Game qui a snowball, À la phase de défendre, ils vont chercher le raid en face pour crever. Ah, le Darius, il s'est pas enchaîné à combo. Non, mais c'est une game low, mais. C'est du platine 2. Platine. Donc, Narcus ouais. Qui est en dessous oh là de. Là. Ouais, c'est ridicule. Après, je crois que Qatar est pas loin non plus. Non mais je suis plus loin. Ouais, Qatar qui est un peu plus loin. Ouais c'est ça, il est un peu plus loin. Donc Narcus qui reprend encore une fois un point au niveau oh, du classement. On va jeter un petit coup d'œil du classement. Narcus qui est à 6 points. Qatar à non, 4. On n'a pas envie. Oh, c'est ridicule. Un, c'est ridicule. Myrtus qui avait bien commencé mais après mais t'es non, parti c'est en couille. Ridicule, c'est bien ridicule. Commencé. Mais un point. C'est une game où le gars il snowball tu vois. Donc déjà tout est remis en question. Genre il y a un milliard de kills, tout est remis en question. Non non, c'est ridicule. C'est Myrtus, tu comprends rien au jeu en fait. Oui, mais Myrtus, c'est ça. Mais il est stuck en chal depuis 25 ans. Tu fais autant de points que Shark qui ne joue pas à LoL. Au courant. C'est vrai. C'est quand même pas bien au bonk. Donc là, c'est bon. On a pu voir du coup du Darius. Là, maintenant, on va pouvoir voir un peu plus de support. Peut-être que Myrtus, Sharky, vous allez peut-être deviner un peu plus là-dessus. Ouais. On a du Rakan donc, que vous allez pouvoir analyser dans cette game. Et on va voir du coup comment ça joue. Rakan, personnage que vous jouez tous les deux. Qui vole le kill, bien joué. Yukiru. Ah, très beau Z, hein. Ça vient mettre des shields, ça vient mettre l'ultimate hein, ensuite pour les repousser. Ça vient mettre une auto-attaque pour aller chercher le kill. Hein. Déjà, il est placé mid pour cover le ouais. Monde de Nocturne. Ce qui est pas mal. Donc, c'est pas du bronze. Il y a un Shaco support en face. Ouais, mais Shaco, c'est Counter Akan. C'est Arana, tu vois. Ouais. C'est que le way il a pas peur hein. Justement il bait. Ah non, c'est très que bon Rakan il cover mid mais au top il joue TFAD. Non au top ouais. Il joue TFAD ouais. C'est bien. TF contre Camille. C'est qu'il y a MF Shaco au bot quoi. Ouais mais ça c'est des trucs. Ah MF ça va TFAD à 90 CS à 14 minutes hein. Oh mais il est mort 4 fois hein. C'est vrai pourquoi il meurt autant. Enfin mais assez beau hein. Que ce soit c'est vrai que c'est low le farm. Mais ça vraiment. Alors ouais, moi je le. C'est bon, tu l'as, Narcus ouais, Narcus pense, qui va plus, continuer de mettre une distance, mais tu sais, prends plein de mouchoirs en Myrtus en tant que faire. En faisant place, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, ouais, petite ultimate de Jarvan, derrière on prend le kill, très beau move, très belle cover mid. Donc dans l'idée, ouais, vos suppositions en termes d'elo, c'est ouais, c'est du quoi master, je pense. Donc on voit le chat qui met du diamant, ici, ouais, en haut à droite. Entre diamant et master, je pense. On voit ah ouais Narcus qui est entre diamant et master, qui est plutôt haut elo. C'est une vision du jeu, moi j'ai mis émeraude. Hein. Ah oui. Non. Alors, non mais c'est pas le farm est ridiculement bas. Ouais, mais parce que ça se bat, en vrai, quand ça se bat, il y a moins de farm, tu vois. Ça, en master, il y a souvent des games où il y a ouais, autant un peu de farm. Ouais, c'est vrai. Même tu meurs master, deux fois. Tu meurs, les gens ils commencent à roam, il n'y a plus de farm. Hein. Je sais pas. Écoutez, suspense. Personne à la division. Ah. Quoi
Personne, malheureusement. Alors, c'est du plat. Et donc, forcément, le plus proche. Le GM. Le plus proche est évidemment Sharky. Ce n'est pas du GM. Ça pouvait être du GM. Ce n'est pas du GM. C'était en dessous, c'était du Gold 4. Du Gold 4, les amis. C'était pisslo. Hein. Gold 4, ça cover les gonks. Je n'ai jamais vu ça. Je pense que c'est un smurf. C'est un smurf. Lorsqu'à Falaracal, c'est divin. Après, il a R comme une merde. Le R était nul, mais. Le R était. Putain, cher, qui garde un point là-dessus. Mais en même temps, diamant, vous êtes des fous. Mais bon, entre émeraude et gold, il y a quand même deux divisions. Les gars, ils ont 3 CS, les gens, en 15 minutes. J'allais mettre master, et en fait, j'ai vu le farm, je me suis dit non, c'est pas du master, c'est du diamant. Et moi, j'allais mettre diamant, j'ai vu le farm, j'ai descendu émeraude. C'était bien joué, c'était la bonne idée, mais non, c'était du gold 4, presque du silver. Donc. What the fuck. Donc, ouais, c'était beaucoup plus bas que ce qu'on pensait, mais. C'est la faute du gold. C'est peut-être un temps. Le Rakan, il a fait un move, genre, en solo queue, en master, ça ne cover pas les ganks. Hein. Après, il regarde peut-être des streams, des vidéos, il sait que quand il back, tu vois là, il venait de back, il va cover son midlaner. Ouais. Et comme dit un grand prophète, on n'arrive pas gold par hasard. Donc, exactement, en plus. J'ai jaloux. On va maintenant pouvoir passer sur le prochain clip, ça va être du Lee Sin. Lee Sin, c'est capable de grandes choses, tout comme c'est capable de totalement troll. Oh. Déjà, tu spell raté. Okay, on met bien des auto-attaques. Ouais. Hop, dashward. Bang. Evacue Smite. No way. J'étais sûr. Le problème, c'est que ça peut être un. Ça peut être un OTP Lee Sin à n'importe quel élo. Ouais. Oui. Le move est. Après, son premier Q est honteux. Hein. Moi, je pense honteux, que mais là, il se passe bien ses auto-attaques. Hein. Mais genre que son Melino, il est gold 4 et qu'elle joue en bronze. Y a pas grand chose non plus. Hein. Le flash, après, le flash du Swain après qui est pas ouf non plus. Mais ça arrive à tout le monde. Ça. Oui. Regardez les compos, on a du Darius contre du Panthéon top. C'est bon, hein. On a Way contre Way, donc c'est de la normal game, j'imagine. Ouais. Donc oui. C'est forcément la normal game. Ah mais c'est normal game, du coup il n'y a pas le Hello. Ouais, le de lui quoi. Bah oui. Que même s'il est classé en solo queue, en normal game il peut être contre des bronzes. En fait faut l'Hello du joueur. Oh, je pense que là il faut la cancel pour tricherie. Hein. Ah c'est tricherie. Parce que là c'est normal game, on peut pas deviner. Le mec c'est peut-être un OTP Lee Sin, il joue contre des bronzes. C'est vrai. Parce que là au bot il y a H et Hello Blade, il y a Yumi avec un flash. Il y a un Swain support. Il y a une Yumi avec un flash. À la volée, vous auriez mis quoi comme Hello? Parce que c'est vrai que du coup, c'était pas juste une solo queue, il y a marqué dans le doc, c'est une solo queue, mais c'est une normal game. En prenant compte que le Lee Sin ou les autres? Parce que les autres, on dit bronze. Je dis que le Lee Sin, il est plate. Mais... Je dirais un petit plate. Déjà, il y a un bug du mode spec parce qu'il y a marqué que MF n'a pas de flash et le flash. Ouais, ça arrive. Bug du mode spec, Riot. Non, la Yumi qui est AFK. C'est une petite société. La Yumi, c'est les pieds de wax, donc ouais, c'est du plate, je pense. Moi, j'aurais mis plate aussi. J'aurais mis gold. Le Lee Sin, okay. Un petit plate. Bah, Myrtus, t'aurais été le seul à avoir 0 points. Parce que c'est du plate. C'est okay. Du platinium 1. Donc, coup, celle-là, on la compte pas. Tout le monde est. Celle-là, on la compte pas. Malheureusement, vous avez voulu le cancel, les gars, on le cancel. Ah ouais, avec plaisir. En vrai, on le cancel pas. On cancel. D'accord avec Narcus. C'est bizarre. Et on va enchaîner directement avec le prochain clip qui va donc être une Vayne. Le Panthéon, il est parti où? Ah, c'est loin. Elle est en bas là au milieu. Julo la soupe contre Round Samurai. La Vayne qui est partie assassiner cette Kalista dans le bac et qui profite de son invisibilité pour aller enchaîner derrière sur le Panthéon. Wow. J'ai rien compris. Le quadruplé. J'ai rien compris au fight. Attends, remets. Elle est où la Vayne? Je vois même pas. Là, c'est elle qui vient de mettre des autos. Elle est beaucoup trop proche. Elle est en mêlée. Elle a très bon dodge. Oh, mais en fait, le problème, c'est que les mecs, enfin, la Vayne, elle joue peut-être bien, mais les autres, ils font du caca partout. Là, c'est vrai qu'ils font vraiment du caca partout. La Camille, c'est la meilleure, je pense. Hein. Son petit il y a eu un flash de Pike tout à la fin aussi qui un peu sorti de nulle part. Peut peut-être vous donner quelques indications, on ne sait pas. La Camille, frère, elle a. Ah, mais c'est Camille support. Ouais. Ah, mais ça doit Camille être. C'est un clip d'os. Elle joue Camille support. Non. Elle essaye. Après, Camille support, ça joue. Après, les thèmes de support de Camille est honteux. Ah oui? Faire Sterak en deux. Ah oui, elle a pas pris le truc rouge là? Ouais. C'est un peu du griffe. Ouais. Du coup, déjà, mauvais build. Un petit peu honteux, comme vous dites ici. Oh, le pack, il a essayé de faire une folie, frère. Il s'est pris pour je sais pas quoi. Au niveau du farm, on est sur une moyenne d'environ. Ah, c'est basse. 8. C'est 7-8 CS minutes pour les joueurs en moyenne, on va dire. C'est fini. Ce qui n'est pas une moyenne très haute, mais pas non plus horrible en moyenne. Donc, Narcus a fini de voter, attends, c'est bon. Attends.
Ouais, c'est une dernière fois. Une non, bah, c'est bon, Qatar, on l'a vu 22 fois. Je vois la Riven en fait. Okay. Où, la Riven elle est au milieu là, elle tape sur la Yaylaoui là. Là, elle stun, elle met R, elle tue la Yaylaoui. Stun deux personnes ouais, en plus. Voilà. Facile. Alors facile. Facile, facile. Ok, très bien. Le chat dit platine. Non, c'est le chat dit platine. Au moins du diamant, je pense. Et de votre côté, vous avez mis quoi? On voit diamant du côté de Sharky, diamant du côté de Narcus, émeraude du côté de Qatar et émeraude du côté de Myrtus. C'est fini, j'ai mis la même réponse que Myrtus, j'aurais pas bon. Ouais. En effet. Ouais. En effet. Ouais. En effet, diamant. Qatar, tu as mis la même réponse que Myrtus, ouais. Donc ce n'est pas émeraude, c'est du diamant. Ok, oh, diamant. Et attention. Parce qu'on a non. Un tout pile. Et c'est Sharky ouais qui va aller chercher ses deux points. Let's go. Let's go. En vrai, c'est honteux, mais c'est pas. Diamant 3. Sharky qui prend 2 points. Narcus qui prend 1 point. Et 0 pour Myrtus et Qatar. Ce qui veut dire que là, actuellement, Myrtus est dernier. Et va devoir faire une danse tout nu. Let's go. Donc, voilà. Au niveau de ce clip, il en reste encore pas mal. Il en reste encore une bonne dizaine. Okay. Donc, il y a encore moyen de remonter. La montée tout court. C'est une game de Séraphine. Oh, Séraphine. Comment tu peux être fier déjà de jouer Séraphine? Écoutez, on va voir après. C'est de Wax, tu vois. C'est ça. J'ai pensé à les... Ah, les mythes, pas Wax. Ah, c'est un R212. C'est un R212. On voit des pseudos. Attends, mais. Il y a Solari, oh, Kim, Chaewon. Il y a un R212, il y a un Solari. Le pseudo de la Leblanc, c'est pas le pseudo de Nuke? Il y a du Nullary aussi à droite. Hein. Il y a du Nullary quand on le voit. Hein. Nullary côté Solari. Donc, regardez un petit peu. R212, Nullary, Solari. C'est un... Parce que du coup, c'est un mixte. Parce que... C'est peut-être de la. Parce que Soraka, ouais, on sait déjà son elo. Comment ça? On l'a vu tout à l'heure. Ouais, la Soraka, c'est la même. Tu l'as vu la Soraka tout à l'heure? Ouais. Non. Si. Si. Et même Lola, je connais ce pseudo. Hein. Ouais, t'as raison. Est-ce que tu t'es retenu? Oui. Non, tu... Si. Bah c'est bien. Attends, ouais. Mais c'est 100% une, ça, c'est une custom game ça. C'est la custom game. Ouais ouais. C'est... Bah mais du coup l'élo. C'est l'élo du joueur. Non bah c'est bon. Ouais mais c'est... C'est l'élo de la Séraphine, c'est tout. Ok, moi je dis l'élo de la Soraka. C'est quoi? Bah... Ça... Si t'as retenu l'élo précis de la Soraka, je te donne un point. Même si c'est pas le bon élo. Non mais c'est okay. Quoi ces règles? C'est une nouvelle règle. Ok. Parce que c'est vrai que Snero, on l'a vu tout à l'heure. Et il faut retenir l'élo qu'il était tout à l'heure. Si jamais vous voulez flip un point là-dessus, vous pouvez. Ça, mais ça, ils sont pas au même. T'as ma réponse donc... Ouais. Non. Bon, le menteur. Chacun a triché. Les deux. On l'a regardé. Et lui, il va regarder aussi. Ils ont tous les trois regardé sans moi. Il a dit qu'il avait trouvé son Raka. Il est en train de regarder. Nous, on met pas Raka. Moins un pour Sharky sur Narcus. Mais il a pas mis la même réponse que lui. C'est tout le jeu, c'est de deviner en solo cul. De toute façon, on retrouve Séraphine, nous, pas son Raka. Lui, tu lui laisses son Raka. Il faut trouver Séraphine. Moi, je trouve son Raka. Tu trouves son Raka. Il faut que tu aies pile poil la division. Ouais. Pourquoi tu lui donnes un point gratuit comme ça? Bah, si là. S'il l'a pas, c'est moins un. Quoi? Et tu n'as pas de temps. Ah voilà, c'est vrai. Bah tu passes à zéro. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est bien. J'ai pas encore mis. Ouais, on va mettre ça du coup. Ouais, c'est bon, allez, voilà. Attends, vous avez mis là? C'est bon. J'ai changé, non. Ouais, voilà. Ok. Myrtus, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'était pas ça? C'était trop pas ça. C'est Silver 4? C'est Emerald 3. Tout à l'heure. C'est Nero, il était Emerald 3. Non? Si. Ah non, j'avais mis Silver moi. Ah. Oh merde. Oh l'idée du village. Oh, je suis con. Un peu, ouais. Bon, malheureusement, personne ne trouvera la division. C'était du platine. Moi, je pense qu'il faut annuler le point. C'est du platine. De toute façon, personne ne prend le Marcus point. Marcus qui prend le point, du coup. Personne ne prend le point. Ah, si, mais non, c'est. C'est le plus proche. Ouais, en effet, non, c'est Marcus le plus proche. Attends, Marcus. Platine 4, oui, c'est Marcus le plus proche. Ah, ouais. Ok, let's go. Il a deux divisions du. Non, merci. De la bonne division. Donc, Marcus qui reprend un point. Bon, Marcus, on va pas trop tirer un point. T'es déjà dans la merde. C'est quoi un peu les points là pour voir qui domine un peu? Ah, écoute, il pose la question en étant très au courant, ce salopard. T'es très bien renseigné, mon con. Il reste combien de clips? Je refais le remontada de fou là. Il en reste encore 13. Ok, okay. Là c'est bon. C'est 2 points par clip, c'est 26 points. Là c'est 26 points là. Je termine avec 27. Hein. Oui, doucement quand même. C'est un 7 ou un juste pour être sûr? C'est un 1. Ah, tu fais sauter celui-là, pourquoi? Ah, ok. C'est quoi? Les mecs, ils ont envoyé 5-6 clips. Vu, hein. Et là, ils ont envoyé 15 clips. Ils se sont dit, c'est bon, balance, on y va. Donc là, on va avoir un nouveau clip et cette fois-ci, ce sera un Yone qu'il va falloir analyser. Yone, personnage très, très mécanique, très spectaculaire. Mais déjà, c'est Yone à des caries.
La qualité vidéo est honteuse. Oui. Oh, petit qui se pète dans le vent. Il a loupé tout ça. Ah, qui se pète, le frérot. Loupé, hein. Quand même, hein. Attention, oh, c'est pas fini. Mais c'est Yone qui y a un streamer du nom de Narcus qui dit que t'as juste besoin de toucher ton R pour être bon avec. C'est réel. Non, le Volibear, c'est un droïde. Waouh! Waouh! Donc là, Yone a envoyé son clip en mode regardez, je suis le goat. Oui, j'ai fait un truc. Je pense qu'il a plutôt envoyé le clip en mode regardez, regardez le Volibear, comment il a chié. Non. Il a fait un triple kill. Oh, il a fait un triple kill, mais bon, la gueule du triple kill, frère. Bah oui, mais dans sa tête, il sait le goat, frère. Ouais, c'est. C'est vrai qu'il y a vraiment rien dans ce Yone. Hein. Oh, mais c'est lourd. Ah, c'est très lourd, je pense, hein. J'ai ma réponse et je ferai toute autre réponse. Pour l'instant, t'as pas beaucoup de réponses. Tu dis ça depuis tout à l'heure, mais t'as pas beaucoup de réponses à venir. Il a même pas rush les bottes en deux sur Yone. Mais laisse le coup. Bah là, il faut les compos. Donc, on a du Panthéon top contre Lucian top. On a Volibear Jungle contre Karthus. On a combien de minutes de jeu? On est à 8 minutes 30. Ah oui, ok. 8:30 de jeu. C'est Zira ADC. Zira Aimer Botlane. Il a rush Tabi, le Volibear. C'est bon. C'est gratuit là. C'est gratuit. C'est gratuit, exactement. Là, c'est gratuit. Mais c'est gratuit. Premier degré. Si là, c'est pas aussi low que ce que je pense. Si c'est pas ça, c'est... Attends, carrément, je vais encore plus. T'as mis ça, non? J'hésite. En fait, je connais pas les élos plus bas. En même temps, personne connaît les élos. Je te jure que si c'est pas vraiment. Si regarde Islo. Non, mais c'est pas ça. Et regarde le farm. Hein. Le farm peut donner des indications aussi. Hein. Go. Les réponses, vas-y, affiche les réponses. Le chat a dit bronze. Non, c'est pas bronze. Le chat a dit bronze en fait. Ah. Hein. Mais il n'y a pas beaucoup de bronze statistiquement parlant. Il n'y a pas des masses. On voit du bronze du côté de Narcus et de Qatar. On voit du silver du côté de Narcus et de Shark. Et dites-vous que tout le monde s'est trompé. C'est du gold. C'est de l'iron. C'est du gold. C'est du gold. C'est du gold. C'est pas ça, on gagne en point. C'est du gold de 4. Non, ils sont deux, ça marche pas. C'est dingue que ce soit du gold. Non, s'il y a égalité, il n'y a pas de point. Deux plus proches. Si vous êtes deux plus proches, c'est celui qui est en dessous qui prend le point. C'est Shark qui prend le point. Nouvelle règle. Nouvelle règle, c'est donc Shark qui prend un plus. Ça fait baiser. C'est du gold. Mais oui. C'est du gold de 4. En vrai, c'est comme si c'était du silver. Mais en fait, si ça, c'est pas du bronze, c'est quoi le bronze? Il y a pas de bronze. C'est quoi le bronze? Le bronze, c'est Joel. Tu as vu Joel jouer? Non, Joel, c'est Iron. C'est vrai. Oui, mais Iron et bronze, c'est pas pareil. Mais c'est la même chose. C'est pas pareil. Je te jure, c'est pas pareil. Non, mais Iron, c'est l'élite des bronzes. Mais là, t'as bien vu que sur le clip, y a rien qui va. Si, il y a des trucs quand même. Il y a quoi qui va? Ils savent envoyer leur spell. Après, là, le Yasuo a raté 4 Q-spell. Ouais, mais alors, c'est normal, c'est des bronzes. Mais là, c'est gold. Ah oui, c'est des gold. Mais en fait, un bronze n'arrive même pas à envoyer ses spells. Mais bien sûr que si. Non, il vomit sur son clavier. Hein. Oui, là, ils envoient leurs spells, ils ratent tout. Bah, ils ont littéralement tout raté. Non, c'est normal, je trouve c'est normal. Les bronzes ne savent pas faire d'auto-attaque. Mais oui, non, ils savent pas. Allez, vas-y, les bronzes ne sont pas clim. Je mets plus jamais bronze. Si ça, c'est pas du bronze. Eh oui, les bronzes, on a très peu. C'est peut-être une erreur parce que le prochain clip, bref, on va voir. En tout cas, c'est. Il bait, il bait. Ok, je vais bronze. Poppy. Non, rien à foutre. Il bait pas, je vais bronze. C'est un joueur de Poppy, vous allez voir. On a sa pop, ok. C'est ici, vous voyez, le pseudo, c'est Gros Matou. Mais je le connais. Tout à l'heure, c'était Petit Matou. Gros Matou. Tout à l'heure, c'était Petit Matou. Je connais son LOTF, pas son LOLOL. Et bah. C'est vrai, c'est un jeu. C'est peut-être pas le même LO, non. Déjà, pas de. Non, il est pas au même LO sur LOL et TFT. Ok, non. Déjà, on voit qu'il n'y a pas de Smartcast. Après ça. Bah, ça, après, ça veut rien. Il a un bon PC, c'est un bon indicateur. Ouais, il tourne à 240 FPS, t'as raison. Non, c'est juste le kill. C'est un petit kill en dive, 96. Ah, attends, c'est juste kill, le kill sur le mec à 2 HP là. Ouais, c'est ça, okay. Ouais. Ok, ouais, c'est bon. C'est un peu honteux, mais c'est pas grave. 77 heures. Comment toi, il est low sur le putain. Ah, je sais pas. Non, mais le. Enfin, c'est la plus grosse offrande qu'il a fait. Oui, il a se collé au mur. Le Xanté a resté là surtout. Il a pas pu sur Z. Non, mais il pouvait rester, mais pas aller vers le mur. Juste pas rester, hein. Ok. C'est bon, j'ai. Il a fait son clip. Ah, il a fait son petit clip. Il est en mode voilà, gros matou. Il a arrêté de bouger après le clip. Beau plays, hein. Ouais, on voit pourquoi c'est un joueur TFT et pas un joueur League of Legends, hein, parce qu'il est fier de ce genre de joueur de merde. TFT, hein. Ça veut dire qu'il est bronze. Attention, parce que Volta master sur LoL. Ouais, mais c'est pas pareil. Bah, il joue quoi? Il joue Zac et ses genies, frère. Et alors voilà, ça joue Poppy. Non, souris, mon pote. Tu m'étonnes. Poppy, c'est pas grave. Mais non, mais alors. Poppy, c'est pas. Tu vas pas faire du champion shaming. Non, non. Mais tu montes avec voilà, les champions. Tu peux enlever vite fait le truc de chat que je vois le score d'équipe. Merci. Il y a 5-5 à ce moment-là. 5-5. Ça va.
Sa femme, en vrai, devrait être décemment. 11 000 de jeu, 80 CS, c'est OK. Il a un bon PC. Déjà, un bon PC, c'est pas en dessous de Silver, c'est pas possible. Imagine, t'as pu taper 4000 balles ton PC. T'es quoi, Silver 4? Attends, regardez mes réponses. Hein. Tu regardes pas Joël. Mais une fois que j'ai répondu... Joël, il a pas un PC. Bah, moi, Joël, je crois qu'il a pas juste de PC. Arrête de tricher sur moi, toi. J'ai tard, il triche aussi. Je regarde voir. Quoi? J'ai une plate. Oh putain, je vais changer. Attends, t'as le droit de changer. Gros Matou, on le connaît. Gros Matou, il était chez nous, tout ça, on le connaît. Donc sur TFT, tu sais, il était tchal. Donc moi, je me dis, un joueur qui est tchal, forcément, il sait un petit peu jouer au jeu. Bah non, il a un cerveau. Parce qu'il est tchal sur TFT. Normalement, il a un cerveau. Oui, il a peut-être pas de bras. C'est du diamant. Il a un cerveau. Donc on voit du côté Narcus, a mis un diamant. On voit que c'est une platine 3 côté Myrtus et Qatar. Et côté Sharky, ça a mis émeraude. Il y a deux perdants. Il y a deux perdants. Putain. Ah, deux perdants. Deux perdants, attends. Je pensais qu'ils avaient... Ah, mais c'est vous. Allez. Du coup, c'est plate. Il y a deux perdants. Je pensais qu'il y avait deux perdants. Ah, oui, c'est vous qui avez gagné. Bah non, ça peut être n'importe quoi. Allez. Il peut y avoir deux. Il y en a avoir trois, tu vois. Il y en a deux, il y en a trois. C'est vrai. Ah, ouais. Et c'est donc platine. Donc Myrtus et Qatar qui prennent un point ici déjà d'une. Malheureusement, ce n'est pas du platine 3. Donc vous ne prendrez pas le point bonus parce que c'était du platine 4. Je pense qu'il est passé plate 3. Il est peut-être passé plate 3. Ouais. Si on check son OPGG et qu'il est plate 3. Tu prends le point bonus. Vas-y. Et pas moi. Non, non, toi, t'es qui, toi? Non, mais il y a du favoritisme. Là. Allez, est-ce qu'on peut check vite fait les lots de Gros Matou? Hein? Est-ce qu'on peut check vite fait un tour de PGG sur Gros Matou? Allez, Gros Matou, s'il te plaît. Squishy, est-ce qu'il a réussi à prendre une division? Parce que s'il a tiers d'une division. S'il a démote, 0 point pour Myrtus. S'il a démote, bah c'est Cher qui prend le point parce qu'il serait émeraude. Non, il serait gold. Non, il serait gold. Mais 0 point pour Myrtus et jusqu'à Tara les points. Allez. Oh, il est émeraude 1, c'est bon, moi j'ai raison. Il a grind. Bah là, je le savais. Attends, il est passé de Platine 4 à Emerald 1. Je le savais. Et c'est fait boost, on est sur TFT, non? Non, t'es sur TFT. Pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, moi, je le savais, je le savais. Tu le connaissais? Je le connaissais. Tu ne veux pas passer de Platine 4 à Emerald 1 en une semaine? Si, monsieur. Si. En vrai, il est diamant, tu vois. Merde. Plate 1. Gros Matou, t'es dans le chat, là. Gros Matou. Il est dans le chat. Et il veut pas nous donner son elo, le cous. Dis-nous ton elo solo queue actuel. Dis-t'es pas de 3. Il a dit, j'ai dû faire 3 games depuis, je suis toujours plat 4. Non, voilà. Il a dit plat 3. Non, il a dit plat 4. Non, merci. Ouais, tu prendras juste un point, tu ne gratteras pas ce point bonus. Bien tenté. Bien tenté pour éviter la danse tout nu, mais ce ne sera pas le cas. Mais là, il est repassé devant, non? Qui, Qatar? Non, Myrtus. Ouais, j'ai 8 points. Myrtus a 2 points. Ah oui. Myrtus, il a 2 points, il est dans la merde. Donc Qatar me rattrape. Je suis à 8. Ouais, Shark, Qatar égalité à 5, Narcus à 8, Myrtus à 2. Degré, il te reste encore. Je sais pas. Ah, je croyais qu'il 10, avait pris 2-3 points là depuis. 10 questions, Myrtus. Ok. 10 clips pour essayer de rattraper 10 clips. Les Vas-y. Joueurs qui sont devant toi. Vas-y, on voit. Et on va pouvoir balancer avec un joueur de Jarvan. Un joueur de Jarvan cette fois-ci. Jarvan qui a. La qualité d'image est. Qui s'oppose donc à un Sylas en jungle. Quel style. Il y a du Malzahar déjà. Ça tape, c'est le bordel. Hein. Vraiment, c'est fight. Oh, le timing. C'est pas mal. Très beau timing. Pour tuer le mec aux Zonia au même moment. Très beau timing tout de même. C'est normal game. Ah, on voit deux Kai'Sa en effet. Les gens aiment trop faire des normal games. Bon, c'est marrant. En fait, le problème, c'est que c'est pas de faire des normal games, c'est d'être fier de move en normal game. Oh, les dégâts du flag. Après, il avait un HP. C'est un Jarvan AP. Comment ça, c'est un Jarvan AP? Je rigole. Ce n'est pas un Jarvan AP là. Il a quand même des dégâts. Hein. C'est même pas le flag en AP. Oh, ouais. Flag. Ouais, que tu jouais support, tu jouais AP, tu maxais le flag. En vrai, il a eu des bons timings tout de même. Oui, en soi, il a des bons timings. Hein. Il rate le combo sur. Mais il voulait attendre la fin du Zonia de Sylas. Bon. Il a des timings qui sont décents. Hein. Bon, là, il a raté un peu le combo, mais ça va. Ouais, ça clique un peu. Hein. Ouais, il y a un Zonia pile poil sur le Q-spell de Jarvan. Il a essayé de faire un kiting et tout. Ouais. Le problème de la normal game, c'est qu'il peut y avoir du GM dans la game et du bronze. C'est vrai. Mais là. On va essayer de deviner celui du Jarvan. Parce que sinon, Myrtus, elle fait une question en moins. Et Myrtus est déjà un peu trop dans la merde. Donc, on va jouer celle-ci. C'est vrai qu'il est sur 20 questions, il a fait 2 points. Donc, ce qui est quand même assez honteux. Si on lui enlève une question. J'ai une strat pour que Myrtus perde à 100%. On met tous la même réponse que Myrtus à chaque fois. Mais comme ça, il reste forcément dernier. Ça veut dire que tu veux tricher, Qatar. Ouais, ça veut dire que tu triches. Et si tu triches, Si tu triches, attention, nouvelle règle, tu échanges tes points avec les points de Myrtus. Ok, bon, je tricherai pas du coup. Voilà. Il triche toujours sur moi, mais c'est pas grave. Oui, bah oui, je triche toujours sur moi. C'est pour ça qu'il a 8 points. Bah oui. Si, à chaque fois, je mets une réponse, et il met la même, et après, je change. Ah, ça doit être ça, ouais. Du coup, c'est pour ça que j'ai 8 points et t'en as 2. En fait, c'est comme genre, imagine, t'es là, t'as la bonne réponse, il copie sur toi, et après, tu mets une mauvaise réponse. Ouais, mais c'est du silver, ça, non? Le chat, vous êtes boosted. Le chat, tu mets silver? Non, non, non.
Je pense que je vais rester. Ouais. Vas-y. Allez, on va voir du coup. Mais Qatar, ça fait 22 ans qu'on le regarde. Ah, ils ont swap. C'est passé de silver à diamant. Ah. Ok, attends, je suis pas possible. Vraiment fast. Hein. Non, mais là, il n'y a pas le droit là. Je reste sur ce que j'ai mis avant. Vas-y, bon, je reste. C'est fini là. C'est fine. Et du coup, la réponse, on voit du emo, du emo, du master, du diamant. Virtus, il est en flip de table. J'ai chopé. Pas mal. Il y a de la mauvaise réponse, il y a de la bonne réponse. J'avais mis émeraude au début. Émeraude 2 pour être plus précis. Mmh. Non, c'est diamant. C'est du émeraude. C'est du émeraude, les amis. Ce n'est pas du diamant. Et c'est du émeraude. 4. Non, j'avais mis émeraude en plus. Personne ne prendra ces deux points. Mais par contre, Qatar et Shark qui reprennent un point de plus et qui viennent rattraper un petit peu Narcus. Hein, qui veulent aller gratter ce petit restaurant. En vrai, Narcus, c'est la raison. C'est vrai qu'il n'y a pas le droit de changer ma réponse à la fin. Là, ça va au resto après. Là. Myrtus, mais tu mets au hasard tes réponses, non ? J'avais mis émeraude au début. Là, pourquoi t'as changé ? Pourquoi t'as changé du coup ? Je sais pas. T'as voulu flip ? Ouais, j'ai flippé un truc. Là, du coup, c'est ton tour. Il faut que t'arrives à trouver le truc. C'est quoi qui t'a donné envie de mettre Master ? Non, j'ai vu qu'elle a one-shot l'autre, je me suis dit, allez, pour elle a du stuff stylé, elle one-shot les gens. Y'a rien à faire. Hein. Y'a vraiment rien à faire. Myrtus, il faut 200 fautes pour attraper Qatar et Shark. Mais déjà, il faudrait déjà. Un point serait bien. Essayer de gratter un point, ce serait déjà pas mal. Ouais, ce serait déjà pas mal. Ouais. Donc, on va pouvoir voir un nouveau clip. Ce sera un clip cette fois-ci de Zeri. Oh, Zeri, c'est rien. Zeri, c'est. Oh, t'as juste à clic droit. Ah, Zeri, c'est pas le perso d'auto-attaque non plus. Parce que tes auto-attaques sont des skillshots quand même. Ça va. Du Garen top. Ça peut être tous les Hello. Oui, Garen top. Ah, Morgana, avant Morgana le perso, support, j'ai pas vu depuis 2004. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Oh mon dieu. Le physique. Bah. Mais c'est quoi en 14 là, du coup, c'est le fils qu'on doit regarder, c'est ça? Non, c'est la Zeri. T'es sûr? Non, mais là, c'est pas Zeri qui a envoyé le script. Parce que là, la Zeri, on la voit en juste fait, faire ouais, les clips en mode. Clips, c'est oh, pas regardez, je me suis fait one shot par le fils. Tu sais que les clips, c'est pas toujours j'ai bien joué. C'est ouais, ouais. Mais... Bon, là, là, il a pas bien joué, mais. Il y a rien surtout. C'était juste OS par le poisson. Mais c'est après, fait, regardez bien les stats, 28 minutes, on a énormément de farm, d'un côté comme de l'autre. Il y a 4 dragons. Il y a quand même les 4 dragons déjà à 28 minutes. Belle indication, c'est à Qatar, c'est vrai. Trop kill dans la game. La ghost, c'est une fausse. J'ai envie de dire que c'est l'eau, mais. J'ai envie de dire que c'est une fausse. Hein. C'est quoi les champions un peu Janna contre Morgana? Oh, Morgana, ça existe pas, ça. Morgana, c'est joué dernièrement, Morgana. Morgana, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ouais, ça fait 5 ans. Il y a du Wukong top. Hein. Ouais, c'est Turaxi ou. C'est qui le. C'est quoi le pseudo? C'est Zeno quelque chose. Ok, je sais rien. C'est bon, vous avez flip quelque chose là? Ouais. Vous avez flip en Elo? Il a pas encore flip. Non, c'est pas ça. C'est pour branler. Non, j'ai mis la. Ah, force à toi. Ouais. Bon, c'est le chat dit que c'est du bronze. Vous, de votre côté, non, vous avez voté bronze. Platine 1, Gold 2, 2, Gold 2, 1 et Diamant, du diamant 2 du côté. T'as vu les Drake? T'as vu le farm Narcus. Bah, le farm est honteux. Le farm était honteux. 188 CS à 26 minutes, c'est pas. Il avait Fizz avait littéralement 5 CS minutes. Et ouais, après, ils avaient 15 kills. Déjà, oh, regarde, on va procéder par élimination. Les deux personnes qui ont mis gold, c'est faux. Arrête. C'est faux. Allez, tu m'étonnes. Hein. Malheureusement. Ça joue entre moi et Qatar. Donc, ça se joue entre Qatar et Narcus. Et c'est moi qui ai raison. Et vous avez pu avoir l'indication. Quand même, 4 Drake à 28 minutes. 4 Drake à 28 minutes. Pas mal d'indications, ça veut dire que ça fait les Drake assez 5, tôt. 5-16 minutes. Mais donc, 4 Drake à 28 minutes, c'est un fils. Un fils, ça farme pas. Un fils, ça farme pas trop, il avait pris des kills. Franchement, c'était pas mal joué. Donc, Narcus. C'est du diamant. C'est du platine. Putain. Bien tenté. C'est du platine et en plus de ça. C'est du platine. C'est du platine. Oh, Qatar. Qatar qui prend ses deux points. Par contre, le chat pour deviner, j'ai jamais vu un chat aussi nul. Hein. Ils ont mis bronze. Mais ils ont raison. Oh oui, non, le chat. Bronze, après, je crois qu'il toi, a mis gold. Dis pas qu'ils ont raison. Non, mais c'est pas sûr qu'il a des mots de gold. C'était Laxus. Laxus qui est un ultra Solari d'ailleurs. Oui, mais c'est ultra qui sont fiers de leur play. Beaucoup d'ultra qui nous envoient leur clip et. Tous honteux. Tous très honteux. C'est vrai que tous les clips pour l'instant qu'on a vus sont quand même pas ouf. Et du coup, Qatar qui égalise Narcus. Hein. Mais non. Il me semble que là, Qatar passe à 8. Puis donc là, on a une égalité pour la première place. Myrtus pour l'instant qui est bien parti pour faire son clip tout nu. Mais le resto pour l'instant, il est encore. Pas encore gagné. Donc on va pouvoir voir le prochain clip. Cette fois-ci, c'est un clip de Vayne. Les mêmes trucs que Narcus et tu m'invites au resto. Ok, Vayne. Un clip de Vayne. Vayne, on l'a vu tout à l'heure. Très feed, hein. Ah, il fait très mal, hein. Il est extrêmement faible. C'est quoi le cinquième item qu'il a ? Ginzu ?
Oh, le Garen est golémique. Oh, le Garen est golémique. Ah, il a coupé parce qu'il mourait. Ouais. Il est en 13-7-5. Oh, c'est... Déplacement pour éviter l'ultimate de Zira qui est pas mauvais. Le Garen, frère. Oh, le Garen. Oh, le Garen. Oh, le Garen qui s'arrête, j'avoue que c'est... Oh. C'est pas dingo. Donc, si jamais vous voulez le pseudo du joueur en question, c'est X Pierre Caillou XX. Voilà, ça c'est le pseudo du c'est que le bronze, ça de la veine. Pas, en fait. C'est pas du bronze. Ça. Non, c'est pas du bronze. Mais le Garen, il pourrait. Hein. Non, arrête. Le Garen, il a oublié de cliquer. Non, il a juste cliqué sur elle et quand elle est passée plus vite, il a perdu l'agro. Mais il a pas recliqué entre temps. Normalement, tu cliques, tu vois. Oui, et il a juste cliqué une fois sur le. Le move sur la Jinx, c'est pas horrible. Hein. Il a fait auto. Ouais. C'est... Ah, ça veut dire que c'est peut-être pas si mauvais. Il a cancel l'auto. Honteux, c'est tout. Ouais. Le même niveau farm, il a pas de farm, mais il est contre Zira. Ah, le problème, c'est que tout à l'heure, le Yone Gold me baise en fait. Parce que là, je voudrais mettre Gold, tu vois. Mais je me dis, mais comparé au Yone, c'est un milliard de fois le level du Yone. Non. Mais t'es un fou, toi. Mais le Yone a raté tous ses sorts. Et alors la fille, avait 5-16 minutes, elle dit que c'était du bon farm. Oui, mon Narcus, il connaît pas le farming. Il est un jungler. Narcus, c'est pas trop en farm. Elle farm bien, la Vayne, la Narcus. J'en sais rien, je vois pas. Elle a 5. Elle a 147 CS à 27 minutes de jeu. Ah ouais. Ouais, c'est pas ouf. Bah, même que ça, merde. Oui, mais c'est Fizz. Mais là, c'est Vayne contre Zira. On n'arrive pas à gold 3 par hasard. Ouais. Je suis un peu d'accord avec ça. C'est beauté. On a tous les golds, du coup. Ouais. Donc, gold 3. Le chat, qu'est-ce qu'il a mis? Le chat a mis gold, vous avez tous mis gold, là, vous êtes unanime pour le gold. Oh, c'est worse. Dites-moi que c'est pas. Dites-moi que c'est gold. Si 4. C'est au-dessus de gold, je gagne. Si c'est au-dessus de gold, tu gagnes. Et si c'est en dessous de gold, c'est Qatar qui gagne. Non, c'est moi. Ah non, c'est Mirtus qui gagne. Bah, Qatar et Mirtus. Non, j'ai le moins de points. Ah oui, il a le moins de points. Exactement, c'est la règle pour faire comeback. Et malheureusement. Non, heureusement. Pour toi, Narcus. Nice. C'est en dessous de gold. Oui. En dessous de gold. Est-ce que c'est encore silver? Silver 2, c'est du Silver 2 et c'est donc Mirtus qui va chercher Gold 4. Ce point bonus. Mirtus qui, comeback, attention à Sharky là, il a 3 points de toi. Après, il reste actuellement 6 clips, 7 clips, 7 clips restants. Il a 3 points à aller chercher. Attends, j'aurais dû mettre Gold 4. Après, je sais que tu vas être tout nu, Sharky, donc. Mais je vais être tout nu. Il faut run down. Il faut qu'il passe des points, même si je run down, il n'y a pas de points. C'est vrai que Mirtus, depuis tout à l'heure, hein, on en est à la 35e question. Mirtus, 3 points. Ouais, Mirtus, c'est. Hello! C'est super low, mec. Je te dis bonjour en anglais. Hello. Allez. Vas-y. Allez, prochain clip, c'est un Gragas. Oh! Oh, le Gragou. Un Gragas. Yeah! Oh! 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 J'ai déjà vu ce Gragas. Hein. Oh! Attends, mais... attends, ouais, attends, mais le problème, ouais, c'est que c'est vieux de fou, ça. J'ai déjà vu ce Gragas. S11. Bah ouais, mais il y a encore les tags à côté, là. Ouais, c'est du S11. Mais du coup, c'est Hello S11 ou Hello Maxime? C'est Hello S11. Mais c'est Hello S11. Waouh! Oh la flash, le Gragas Aimer mid, TFAD en S11. Ouais, il faut savoir que j'ai déjà joué avec un Gragas comme ça, il m'avait fait le même gank et j'avais plus envie de jouer. Xerath support TP. Non frère, c'est quoi cette game? Blitz il joue sans Ignite, y'a rien qui va dans les games. Le truc c'est qu'on a déjà eu du. Y'a rien qui va. On a déjà eu un Silver avant. Mais là, bah, peut-être c'est enfin le vrai Elo. Là, c'est le vrai bronze. Non, mais c'est pas du bronze ça. Le truc c'est que j'ai envie de rester sur gold tout le temps et à chaque fois ils sont pas gold les gens. Mmh. Après, il s'appelle XX Agony, tu vois, c'est un peu un pseudo d'un mec D4. Moi, je te jure que les XX Agony. Déjà, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'il n'y a pas Emerald là. Oui, il n'y a pas Emerald, c'est vrai. Belle analyse. Il n'y a pas Iron non plus, du coup, je vais pas mettre bronze en fait. Il est Olaf, joue avec un flash. Allez, c'est Moner. Il a peut-être flash ghost. Aucun sens. Ah, non, il a flash TP. Ah, si, il y a peut-être Iron en fait. Il n'y a rien qui va. Hein. Flash TP et le Xerath aussi. Il y a Aimer mid. Y'a rien qui va. TFAD, enfin, y'a vraiment rien qui va dans le clip. Moi, je suis prêt. T'en faut que je vois les clips de Xerath là. Le chat dit silver pour le moment. Moi, je suis plutôt d'accord. Avec le Xerath, il met des trucs. Ah ouais, non, c'est pas du silver. Ah ouais, non, c'est low. C'est. Enfin, c'est le vrai bronze. Du bronze. Je sais pas, j'arrive plus à savoir. C'est du bronze. Pourquoi t'as pas les bronzes? Chut. Il bait. Narcus, qu'est-ce que tu as mis comme réponse? Tu as mis gold de 1. Oui, c'est du gold.
Donc on a mis Silver 4 ici, Silver 3 du côté de Qatar et Mirtus. On a mis du gold du côté de voilà. Sharky et Narcus. Il faut savoir que personne n'a la bonne division, déjà. Personne n'a la bonne couleur de médaille. Non, c'est du bronze. Donc soit c'est en dessous de silver, soit c'est au-dessus de gold. Donc on va voir. Si jamais c'est au-dessus de gold, c'est-à-dire que c'est Narcus qui prend son point. Et si jamais c'est en dessous de silver, c'est-à-dire que c'est Qatar qui prend son point. En égalité, là ? Ou il est en point de plus ? Il me semble que tu as un point de plus. Tu as un point de plus. Ah non, vous êtes égalité. Okay. Vous êtes égalité. Du coup, il y en a un des deux qui va se démarquer ici sur cette question. Bibi. Et c'est au-dessus de gold. Allez, c'est du platine 3. Ça arrive, ça, en vrai, ça arrive. C'est du platine 3. Non, mais les summoners. Mais c'est platine 3. Il n'y a rien qui va. Il n'y a que Zerat support TP. Mais c'est platine 3, saison 14. Saison 11. C'est sûr. Saison 11. Ouais. Non, mais le mec, il n'y avait rien qui allait dans le clip. Il n'y a pas une ligne qui avait bon summoner. Il y avait des trucs qui n'allaient pas. Il y a beaucoup. Il y a 99% des trucs qui n'allaient pas. C'est ton élo, c'est pour ça que tu reconnais. T'as été quel élo en Corée ? Ah ouais, mon élo. Il a fini plus haut et le temps en Corée, c'est une folie. Hein. Non. Il avait plus d'LP. Mais en été, j'aime tous les deux. Ah, ok, respect. Bon, du coup, Narcus qui prend ce point, qui passe à 9 points. On va pouvoir analyser il en reste combien, là un prochain clip. Il en reste actuellement 6. Et on va pouvoir voir un gameplay de Harry. Oh. Un gameplay de Harry. Et Harry, c'est la première fois qu'on voit ce gameplay-là. Regardez un petit peu au niveau des. Du gameplay, on voit le farm hein, 146 contre 143 à 16 minutes 30. Oh, flash. Ok, ça clique. L'All-Star, il se sort. Ça, je reconnais ces joueurs-là. L'All-Star tilt. L'All-Star qui tilt, tu reconnais Narcus ? Après, un Malphite top qui gagne contre Vayne, c'est bizarre. Hein. 8-1. 8-1, frère. Ah, je pense qu'il s'est fait full gank. Ouais. Et Malphite, ouais, en vrai, Malphite, une fois tu max Q en early, tu peux faire les trucs. Je pense à un petit Malphite Comet là. Ah, je pense que c'est un vilain Malphite Comet. C'est un peu méta. Facile. T'as qui ça, elle fait Muramana. Celui-là il est facile. Donc on voit au niveau des compos. Tu copies. On voit au niveau des compos, ça reste quand même assez méta. Botlane, on a de la Kuisa, Alistar, on a du Jinx réel, voilà des trucs qui sont pas non plus exubérants. On n'a pas non plus des trucs trop choquants. On prend une tour déjà. Ok, je sais. Ça vient taper la tour, petite indication, c'est l'île de jeu. On voit que ça push, ça prend la tour. Ouais. Facile. Alors, à votre avis, c'est facile. Après, est-ce que le flash était lucky aussi, tu vois ? Est-ce que je non. Il était là en mode. Non, là c'est timé là. Moi j'ai mis la fausse. La fausse. Ouais, la fausse. C'est la fausse. Et Qatar, il fait en dernier là. Non, moi j'ai déjà voté. Oui, il a déjà voté. Vous avez grand voté master du chat, faut pas hésiter les gars. J'hésite à mettre. Grand master du côté du chat. Grand master du côté du chat. Grand master, tu sais ce que c'est qu'un grand master ? Surtout, je pense qu'on aurait reconnu des pseudos. Tu sais ce que c'est un grand master ? Bah, y a pas les pseudos. Ah non, toi t'as mis la fausse du master. Moi j'ai mis la fausse du diamant. Ça, le Alistar qui se fait outplay et qui arrête de jouer, c'est du master. Ouais, mais c'est dans la fausse du diamant aussi. Hein. Ouais, mais non, parce que diamant il travaille un peu. Non, master, non, c'est vraiment ça. Tout est long. Dans toutes les fausses, ils font ça, les gens. Il était mort là. Il était juste mort. C'est ça, dans toutes les fausses, les gens ils sont morts, ils arrêtent de bouger. Mais oui, tu gagnes du temps. Ils pouvaient pas s'échapper, y'avait rien à faire. Bah, il faut savoir déjà une. Il faut savoir déjà une que, comme vous avez pu voir, c'est quand même assez. Ça joue bien. Donc, au niveau de l'élo. Vous êtes tous pas trop mal, mais il y en a qui sont mieux que d'autres. Oui. Il faut savoir aussi qui sont mieux que d'autres. Qu'il s'agit d'un joueur que l'on connaît tous. Ah ouais ? Oui. Il s'agit d'un joueur que l'on connaît tous. Supposition peut-être ? Un millionnaire qu'on connaît tous. C'était DK ? C'était DK. C'était DK qui jouait Mirtus. C'était donc du challenger. Du chal ? C'est donc du challenger. Et donc le chat, et oui, toi tu es en mode. Vous savez ce que c'est du grand master ? C'est du challenger, Narcus. Tu sais ce que c'est du challenger ? Du coup, je regarde le farm. Faut que j'arrête de regarder le farm. Hein. Et oui, challenger, 975 LP, DK, flash de génie. Non, mais c'est flash que... 8-1 Malphite. Oui, c'est aucun sens. Il s'est fait ganker. Il s'est fait voilà. Tu connais son cadre. Après, pareil, lui, il est challenger, mais dans la game, il peut y avoir des masters, Mirtus. Ouais, peut-être. Oui, mais là, on juge Harry. Ouais. On juge Harry, là. Oui, oui. On juge Harry en plus en solo queue. Voilà. Ouais, non, en plus, c'est toi qui as le point. Peut-être que le Malphite est chal et la Vayne est master, tu vois. Ouais, Mirtus qui prend son point. Grand respect à toi, Mirtus. Tu vas aller chercher ce point bonus. Tu rattrapes petit vrai, à petit Sharky. Hein. Et là, il reste plus que 5 clips. 5 clips. Ça faisait du hit and run sur la tour. Plus le Halo. Mais il y avait la Kaïsa, faisait du hit and run sur la tour. Genre, déjà kiffé ça. J'ai pas vu la Kaïsa. Ouais, à la toute fin, à la fin, il fallait analyser ça aussi. Ouais, ouais. C'était pas mal. C'est pour ça que ça donne une petite indication de si ça clique. Il reste plus que 5 clips. C'est DK qui a envoyé le clip ? Non, c'est quelqu'un. Je pense que c'est un clip qu'on a pris dans les games de DK. Ouais, ouais, mais ça bait. Parce que moi, je pensais que Harry avait envoyé le clip. Tu vois. Oui, mais non, Qatar. Et non. C'est un bait, en effet.
Donc là, il reste un clip et on va avoir une game de Kaïssa. Myrtus, tu remontes bien. Myrtus, tu peux aller chercher ce resto encore. Hein. C'est un sans faute. C'est qui là? C'est Kaïssa qu'il faut regarder. C'est la Kaïssa qu'il faut regarder. Voilà, dommage. Non, il a pas de dodge. Dommage, elle a pas de dodge qui se fait à la fin. Attends, ah, compliqué. Laisse le son. Un malade, le frère. On entend du français. Ouais, c'est un malade. C'est un malade, le Smolder. Un malade, le Smolder. Là, je suis pas mauvais. Ça clique, hein. C'est un français. 216 à 27 minutes. 5-6-6, la game est assez serrée. Il y a un Timo dans la game, hein. Il y a un Timo, ah, mais il y a quelques Timo parfois qui sont Elo. Il y a que Charles aussi qui sont Elo. Non, les pseudos, j'avoue que j'arrive pas à bien les lire. C'est pas si fou. Hein. Bah, le ouais, pseudo, non plus, le pseudo ouais. De la Kaïssa, c'est Clueless. Ah, je connais. C'est bon, je l'ai. Clueless. Clueless, joueur de Kaïssa. Narcus qui dit qu'il connaît. Ouais, je l'ai déjà rencontré. Narcus qui est en full bluff actuellement. Non, mais pas du tout. Narcus qui bluff totalement. Pas du tout. Parce que si jamais il ne bluffe pas, ça veut dire que c'est un joueur qui a son élo à peu près. Narcus qui connaît, voilà. Qui sait, en vrai, ça peut être. Ce qui s'appelle la grosse folasse. Ouais. Quoi? T'as vu le pseudo, non? Ouais. Ouais, ça joue, hein. C'est la fausse. Non. Oui. Ok, dans le chat, ça dit diamant. Dans le chat, ça dit diamant, c'est... J'hésite. Non, ça se trouve, c'est ce que j'ai mis la fois d'avant. C'est bon pour moi. Ah, j'ai mis. Ouais, il a répondu. Qatar qui a répondu, on est bon. Donc le chat qui met diamant, master du côté de Narcus Qatar. Et diamant 2 du côté de Sharky. Diamant 3 côté Myrtus. Eh bien, je peux vous dire déjà que les diamants sont out. Les diamants sont out et le pont va se jouer entre on a mis la même chose. Narcus et Qatar. Vous avez mis la même chose. Et c'est Master 20 LP. Donc qui a le moins de points actuellement? Je crois que c'est Qatar qui a 8 et non, Narcus qui a 9. C'est le score exact. Master 20 LP. Oui. Oui, c'est voilà, du coup, on a 2 points chacun. On a 2 points chacun. Ouais. Moi, je pense que c'est juste 1 point. Non, c'est Master 0. Quoi. Mais il ouais. N'y a pas 0. On peut pas 0. Ouais, ah, vous pouvez pas mettre 0. 1, 2, 3, 4. Ok, respect. Allez-y, bah 2. Allez, 2 points pour Narcus et Qatar. C'est un pile poil. Ouais, je connais. En vrai, je crois que j'ai déjà rencontré. Ouais, c'est vrai qu'elle hit and run un peu, la Kaïssa et tout. Oui, ça joue. Non, ça joue. Franchement, ça cliquait un petit peu. Donc c'est pour ouais. Ça le chat qui. Tu vois, en plus, à cette élo, les gens, ils aiment bien essayer d'invest 3 sans raison. Ouais, normal, c'est vraiment. Là, c'est vraiment. Pas bien dans la game et tout. Il fallait qu'il tente un truc. Le prochain, c'était une custom. Non, bah, en fait, les custom, mais, ça. Mais quand même, non, mais parce que sinon, Myrtus, c'est cul. Mais quand même. Ouais, mais. Ah, je peux vous dire, c'est un Nautilus. C'est aléatoire, quoi. C'est un Nautilus. Son pseudo est Hamburger. Oh. C'est Humber. C'est Humber? C'est Humber? C'est nickel, Elo, Humber. Ah, bah. Putain, je crois que je l'ai. Et on voit justement, bah, c'est de la custom. Attends. Humber, pareil, c'est un joueur TFT. Hein. Il doit être même Elo que. Est-ce que si je donne l'Elo de Kaïssa? Non, oh non. Il a Kaïssa. C'est zéro. Tu vas tirer encore, mais Silver. Attends, c'est juste là. Il a mis un hook. Il se fout de notre gueule ou quoi? C'est quoi ce clip? Mais en plus, je pense qu'il voulait la Renata. Il touche le touch. Ah oui, il touche le hook sur le cripple. Non, il a fait auto-cancel sur le cripple. Ah oui, pour, en plus, ouais, il a blind. Fait... Mais le tweet. Non, mais Humber, il est un smurf. Humber est un smurf, regarde. Le move, il a chier. Il fait auto. C'est vraiment un move. Auto-Q sur le sbire, regarde. Ouais, ouais. Tu vois? Le petit cancel d'animation. Pas mal, c'est un bait. D'avoir le tweet. Il a pas fait la Renata? Mais en vrai, c'est bizarre. Si vous voulez la Renata, c'est totalement. C'est bizarre qu'il bise le Twitch. Ouais, c'est bizarre qu'il bise le Twitch. Mais... Non, mais en fait. Il... Bah, soit il a un script. Non, mais ça se trouve, il se doutait que Twitch arrivait. Non, moi, je pense qu'il a fait au hasard. Qu'il a totalement balancé son hook. Non, mais même envoyer le clip, c'est au hasard, frère. Il y a rien. Moi, je pense qu'il a eu full chat. Il disait, oh putain, le truc de fou. Regardez, ils vont croire que j'ai pré-shot. Non, en vrai, il a vu Renata s'avancer. Il s'est dit qu'il y a Twitch à côté, c'est tout. Je pense qu'il voulait Renata. Sauf que le Twitch il était vraiment pas avancé. Rien, hein. Y a rien, je pense pas qu'il voulait Renata. Je pense qu'il voulait Renata. Moi je pense que c'est voulu le Twitch. Mais envoyer ça, c'est honteux. C'est honteux en fait. Donc si c'est une custom, vas-y. Vas-y. C'est bon? Ouais. Merci, t'es prêt? C'est bon. Je pense qu'il doit être à peu près au même Elo Gromatou. C'est deux joueurs TFT. Oui, les joueurs TFT. C'est vrai. Moi j'ai l'autre scénario.
Il était moi je l'ai, moi. 4, mais... Ah bah j'ai... Est-ce que ça alors? Moi je l'ai. Je vais mettre le même élo gros mode. Narcus à chaque fois il dit qu'il a, mais pour l'instant. Bah je l'ai, il est dans ma friend list. Et... Bah, moi aussi. Bluff, quoi? Je regarde pas son élo. T'as regardé son profil. Genre t'as regardé son élo. Récemment, ouais. Tu mens. Il en fout le bluff encore, regardez le. Vas-y, m'envoie. C'est plate 2. Ok, plate 2. Non, mais Master, Qatar, non, c'est pas Master. Il me met pas à jour mon truc. Ah si, c'est bon, ouais, c'est un peu long. Donc on voit platine 2, platine 2, 3, platine 4, émeraude 3. Donc on a un Myrtus qui estime que Humber est un bon joueur. Hein, non, c'est des lots scénarios que j'ai mis. Hein, c'est des lots scénarios, émeraude 3. Oui, c'est cool, mais... C'est pas le bon, au bout de 15 fois. Bien tenté, mais ce n'est pas le cas. C'est pas non plus du platine. Merde. Ce n'est pas non plus du platine. C'est du diamant. C'est du gold. C'est du diamant. C'est du gold. Du gold. Eh mon gars, c'est du gold. C'est du gold, Momo. Malheureusement, Momo qui ne prendra pas le point. Et Qatar, par contre, qui va en reprendre un et qui va égaliser Narcus. Yes. Ouais, c'est vrai qu'il était autour du gold en plus, Humber. Hein, c'est comme Romain Touche, je te dis, ils ont le même joué. T'as un pouce pour ça. C'est le même profil. Des joueurs TFT. C'est sûr. Ouais. Et gold combien? Et gold combien, Humber? En vrai. Myrtus, si tu veux, tu vas avoir un point bonus. Ouais. Il faut pour ce faire que tu fasses 10 jongles avec une balle. Non, mais on est où, là? J'ai pété la télé, frère. Hein? J'ai pété la télé. Tu t'en pas le faire, là? Non. Ok. Je peux pas. T'auras pas de point bonus, donc. Putain. Très bien. Bien tenté. C'était un petit bonus. Il en reste 3. Est-ce qu'on peut avoir un petit récap des points pour savoir un peu où est-ce qu'on en est? Si j'ai 3 perfects, je passe. Si t'en as 3, bah là, tu peux plus avoir le resto. Mais par contre, tu peux éviter le clip tout nu. Ouais. Moi, je le veux, Myrtus gagne. Vas-y. Donc là, dans les 3 prochains clips, ça va se jouer entre Qatar et Narcus pour le restaurant. Et ça va se jouer entre Shark qui fait 3 parfaits. Ouais, je fais 3 parfaits. Oui, bon, allez. Allez, lâche ça. Mais en tout cas, entre Shark et Myrtus, ça peut encore se jouer pour le gage. Donc on va regarder, il reste 3 clips. C'est un clip de Timo. C'est un clip de Timo ici que vous allez devoir analyser. C'est du GM. Ok, bien vu. Ouais. Big Burger 56. Le Big Burger. Attends, il va suffu quelque part là, je le sens. Ouais, dans le bush. Alors, quand tu le suffu là. Il va suffu. Ah, il va où? Il va suffu. Hein? Ah, c'est sûr là. Il va juke? La plante? Pas le bon côté? Il va suffu. Ah, il est si smart. Oh, la ward. Il a été vu, non? Ah, non, il a pas été vu la ward et elle pop trop tard. Et hey, Timo, c'est 3 persos de fou. C'est 3 persos de fou. Là, il panique. Là, il doit aller se suicider. Là, il doit go suicide. Là, il doit go suicide maintenant. Qui va lancer un bac? Ah non. Ok. Ah, pas mal, hein. En vrai, il est 5 head. Hein. Il freeze la wave de son mid en plus. Pff, le goat. Le goat. Kaylens. Après, le Aatrox est un bot. Voilà, je le dis. Honda Vika Sivinus. Honda Civic. Elle est pseudo de la game déjà, on voit que ça peut vous donner une indication sur les lots, l'enchaînement de pseudo entre Honda Civic et Big Burger, peut-être que ça vous donne une info. J'ai la réponse exacte. Ok, peut-être, l'égalisation. Il y a un Horn support là, et un Jarvan mid. Il y a un Horn support avec Glacial Augmente, il y a un Jarvan mid Ignite avec Predator. Panthéon Heal. Il y a un Panthéon Heal support. Y a rien qui va. C'est que c'est encore du bronze normalement, mais vu que le bronze n'existe pas, ce sera pas du bronze. Moi, on peut remettre le Aatrox au tout début, genre. C'est honteux, genre il court en mêlée, il met auto ignite, il flash out, il meurt. regardez le Aatrox. Il a voulu bait, il a voulu bait. Il a voulu bait. Oh le bait de fou. C'est juste ça va marcher son bait. Ah ça a vraiment pas marché. C'est dommage. C'est le bait de merde. Toi t'es là-bas, t'aurais déjà crié, mais bon. Oui. Je suis sûr que j'ai envie de mettre bronze, mais ça n'existe plus le bronze. Je sais pas. Moi, ça me terrifie qu'il n'y ait pas un seul bronze en vrai. Ouais. En fait, le truc, c'est que les bronzes, c'est quand même rare, hein. On se rend pas compte. Hein, mais... Moi, je pense qu'ils sont partout. Moi, je pense qu'ils sont vraiment pas partout. Faut pas oublier que Rio Game inflète les lots. Hein. C'est ça. Depuis un moment. Depuis 5 ans. Ils suppriment un peu les bronzes, quoi. Ils suppriment un peu les bronzes, l'iron, tout ça. C'est... Ils font comme pour le pack. Et maintenant, tout le monde est silver, tout le monde est gold. Ils donnent de l'élo. Comme ça, tout le monde est content. Tout le monde se dit, je suis fort au jeu. Exactement. Et du coup, les gens, ils jouent. Il y a la chase pendant 30 secondes. Hein. Après, lui, il sait qu'il est. Vas-y. Très bien, donc. On rappelle, il reste plus que 3 clips. Celui-ci en fait partie. Donc, le chat a mis bronze. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez mis? Pas du bronze. Vous avez mis gold 2, gold. Silver 2, silver 3, silver 4. Si je suis le seul gold. J'ai mis silver 4, comme ça c'est du bronze. J'aurai le point. Eh bien, déjà, il faut savoir que je pensais mettre la même chose, mais le numéro de division est 2.
Oh, c'est Gold 2. OMG. C'est Silver 2. Oh, Mirtu, c'est le parfait. Ne regarde pas comme ça, Sakor. C'est j'ai menti. Le niveau de division est 4. Putain. Ah, et c'est du Gold, Qatar. Malheureusement, c'est un mais Gold. Oui, mais dis-toi que les bronzes n'existaient pas. Il y a peu de Silver, tu vois. Et là, le gars, il joue comme un Gold. Gold de 4, il vient de gagner sa promotion. Il a dit le après, voilà, je te dis, c'est un ancien Silver. Moi, je pense qu'il faut recheck en vrai. Non, est-ce qu'il est retombé Silver depuis? Mais j'ai hésité à mettre Silver. Gold. Non, mais c'est bon. Arrêtez de dérager, ou là. Non, non, Narcus qui prend son point. Narcus, c'est qui, joli, frère, que ça soit Gold. Que le Nioni soit Gold. Non, mais c'est trop dur. Hein. Guess Melo, je suis sûr que c'est trop dur. Moi, j'ai croisé des Gold dans ma vie. Ils sont 20 fois meilleurs. Moi aussi, j'ai des potes Gold. Mais oui, mais c'est. Non, mais... C'est parce que tu vois, là, c'est les pires moves de leur vie. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ou les c'est meilleurs. Hein. Les meilleurs parfois. Donc on peut être. Ok, 12. Let's go. Il en reste quoi? 2. Il en reste 2. Vas-y. Il n'en reste plus que 2. Et on va pouvoir analyser le clip de ce Wukong. Un Wukong, son pseudo est Gaelum. Oh là là. Il est. Ah, le flash qui se pèle sur la tour. Oh, il est contre Script of Staken. Il y a Sleeping Balls dans la game. Sauvagerie, Script of Saken. C'est ça pareil, c'est un scream ça. Un scream non ah. Les screams de la Nullary non? Non, c'est un scream en effet. J'ai l'indication, c'est un scream. Mais vous pouvez quand même deviner les lots. Un scream pourquoi? Un scream pour. Bah, on va pas dire la réponse non plus. Bah ouais, c'est un pour scream. Pour l'open tour, t'inquiète. C'est un scream pour la LFL. Non, mais si c'est un scream. Ça fait des LAN et tout. Il y a une Morgana Sup encore. Peut-être qu'ils sont à la GA, on ne sait pas. C'est facile. En vrai, c'est facile. J'hésite entre deux là. Mais c'est pas la nouvelle saison, il y a la Crown. L'ancienne saison. Oui, oui, c'est ancien. Du coup, il y avait Emerald ou pas? C'est l'ancienne où il y a Emerald déjà. Ce Q-spell sur la tour, mais très très bien. Ouais, mais ça peut arriver à tout le monde, tu vois. Oui, ça peut arriver à tout le monde, je suis d'accord. Après, il a tous mis des autos sur une tour. Hein, juste bon. Mike. Non, non, mais après, il a vraiment. Il a bien marché, il a flash bien marché. Oui, bam. Oui. Oui, mais ça mais peut on arriver. On a tous mis des autos flash sur les tours. Auto instant. Il a vraiment. Ça peut arriver. En plus, il fait le petit rire, son perso. Hein. Vas-y, c'est bon. T'as mis quoi, Narcus? Faut pas que je mette la même chose, sinon je pourrais pas comeback. Vas-y. Ah, bah bonne chance. Hein. Après, tu dois jouer le tout pile. Si t'as le tout pile, tu passes devant direct. Hein. Ouais, là, tu prends les deux points Qatar, boum. C'est ça. Ça part, hein, le resto est gagné. Ah ouais. Bah, force à toi, Shark, t'as raté. Ouais. Bah, t'as mis la même chose. Alors, le chat a dit Emerald. Du côté du chat, on est plutôt sur de l'Emerald. De notre côté, on est sur quoi? C'est du plate. De notre côté, on est sur du. T'as pas mis plate? Ah non, j'ai mis Emerald. Ok, c'est l'Emerald. Du côté de Narcus, on a mis Emerald 3. Du côté de Qatar, on a mis Emerald 2. Du côté de Sharky, on a mis Platine 1. Et du côté de Myrtus, on a mis Platine 2. Oh, c'est bien, j'aime pas quand je suis au milieu de tout le monde comme ça. Bah non, ouais. si c'est tout pile, c'est bah, tout je prends quand même un point. Ouais, je prends. C'est vrai. Après, arrêtez de faire les beaux parce qu'aucun de vous deux n'aura un point. Ici. Merde. Voilà, je vous le dis. C'est du par contre, alors on a un tout pile. On a un tout pile. J'ai dit que c'était du plat. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi les yeux. C'est genre. Et c'est toi! Eh oui! Ok, mais j'ai un point quand même! Voilà. Un point quand même! Sharky qui prend un point. Mirtus qui prend deux points. Et là, on va assister au dernier clip juste après. Au niveau des points, on est à combien? Parce que là, je crois que Mirtus a fait qu'un point de retard. J'ai un, ouais, j'ai un point de plus. Voilà, il y a 7, 6, 12, 11. Tout peut se jouer là. Sur un tout pile. Tout peut se jouer. Tout peut se jouer. Au moment, je danse au nu. Absolument. Je sais que t'attends que ça. Au moment, je mange une entrecôte. Ok. Donc. Pour le dernier clip, je vous donne l'indication du pseudo. Le pseudo, c'est XXX Dark Sasuke XXX. Oh là là. C'est un bait. Non, c'est pas son un bait. Son champion. Yasuo. Ou Timo. Oh, mais il y a trop de Timo. Franchement, et Timo. Bonne chance à tous. Début de game. Volibear support sans potion. Pas besoin de potion. En fait, il y a eu un fight niveau 1 Qatar. Il les a dépensés. Mais là, c'est vraiment une phase de lane où juste. En fait, on a toute la game là. On a toute la game. Waouh, il a raté le creep. Il met lui des autos, poke. Et il a envoyé ce clip. Il poke, il balance hein. Il poke. Oh là là. Oh là là. Avec Qatar. Là, il va flash. Oh là là, l'auto ignite. Oh là 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 là, il s'est Dark Sasuke qui a battu Minerva. Oh là 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 là. Le clip est ridicule. Non, mais il y a rien, il y a pas d'info là-dedans. Ah, y a bah si, on a de l'info que c'est pas du challenger. Ouais, attends, mais
L'info, elle comment tu peux dire putain, j'ai envoyé ce clip. Ah, surtout qu'il est long, quoi. Genre, je veux dire, voilà, il est pas long, le clip. Il a solo kill. Il loupe tous ses CS en plus. Ah oui, il a solo kill. Respect. Grand respect à lui. Hein. Grand respect. Bah, c'est mon rêve hein, d'avoir mon top qui solo kill. Parle mieux de ton top, par contre. Hein. Parle en solo kill. Ouais. Ouais, je préfère. Tu veux que ton top il joue Teemo? Ok. Wow. Tu si gagnes avec. Si solo kill. Mais quoi, Qatar? Si solo kill. De toute façon, faut que je fasse tout pile. Pardon. Mais si je fais 1, il y a égalité. Ouais, mais oui, bah après. Genre, on va au resto tous les deux. Après, vous déterminez. C'est plutôt au resto, c'est les deux. T'as sa tête. C'est ta tête, Marcus Qatar. Ah, oui. Après, vous allez au resto tous les deux. Et on après, s'il y a Execo pour les deux premiers, je pense que c'est le dernier qui va au resto. Non, non. Et si on fait égalité, on danse tous les deux tout nus. Ouais. Bref. On n'a jamais eu de bronze de tout le truc. Hein. Ouais. On n'a pas eu de bronze. Hein. Ouais, mais c'est pas du bronze. Et tu sais pas. Hein. En vrai, le Yone, le Yone a 100% de farm rate. Hein. Ah, il regarde le farm en même temps du Yone, c'est voilà, bien, je veux pas t'influencer, ouais, Narcus. Après, le Volibear sans potion, support, voilà, ça c'est... Il y a peut-être eu un trade niveau 1, il y a peut-être eu un trade niveau 1. Pas toi. Mais même, il a plus de potion. Mais déjà, Volibear support. Oui. Volibear support, ça peut arriver, ça. Non. Et la Poppy, frère, support. Non, déjà. Ça peut pas arriver. Ok, je l'ai. Je vais baisser. Ah, je sais pas. Narcus qui a tout cassé. Est-ce que je te flip, le tout pour le tout? Flip, Qatar, flip. Et donc, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. C'est vrai. Ouais, alors... non, on a eu pareil. Non. Frère. Toi et moi? C'est problématique. Bah, change si t'as envie. Ah. Moi, je change pas. Ah ouais? Toi, tu flippes bien, toi. Attends, moi, on est pas bon. Moi, j'ai flippé. Le chat dit Silver. Moi, je tiens à dire que Mérus a triché, il a un point en moins. Ok. C'est ma réponse avant de changer la sienne. Oui, mais après, t'as changé. C'est bon, moi, je l'ai. Alors, qu'est-ce que vous avez mis? 100% bon. 100% bon. Narcus qui a mis Gold 4. Il a joué le safe. Shark qui a mis Gold 4. Qatar qui a eu bronze 2. Il n'y a jamais eu de bronze. Myrtus qui a mis Silver 2. Ça va être Silver, je pense. Je pense aussi, c'est pour ça que j'ai mis Gold 2. Aïe, 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 aïe. On a un clutch. Le bronze ? Oh. On a un clutch, les amis. Le clutch de Myrtus. On a un clutch, les amis. C'est tout pile. Hein. Allez, regardons les deux, d'accord. Myrtus ? Oui. Tu vas danser nu. Tu vas danser tout nu. Let's go. Absolument. Ce n'est donc pas toi qui réalise le clutch. C'est Qatar le clutch ? Gold 4 Qatar. Let's go. Mais c'est ce que j'avais mis au début. Ah, j'ai eu Gold 4 le truc. Mais vas-y. J'allais dire Qatar. T'as pas gagné resto. De et donc, dans tous les cas, on avait tous les deux les deux points. Gold 4 pour Narcus. Gold 4. Tous les 4 étaient derniers. Pour Sharky. Narcus qui prend 2 points. Sharky qui prend 2 points. Ouais. Au début, j'ai mis Gold 4. J'avais ma copie. Ouais, il a mis Gold 4. J'avais mis Gold 4 en premier. Il est dans mon copie. Mais bon. Non, non, moi je t'ai pas copié. Qu'est-ce qu'il raconte, Jules? On va copier quelqu'un qui est dernier. Mais comment eux, ils sont gold? La fac d'affilée de mon côté. Frère, faut pas je veux des clips de bronze, je veux voir ce que c'est. Mais il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Joël et Iron, c'est en dessous oui, de bronze, déjà, il existe. Iron, c'est le challenger. Il y en a deux. Il y a moins oui, de ça, Iron 4. Mais que du bronze, de du coup, il doit y en avoir plus que des Iron. Oui, mais, là, mais il doit y en avoir 5000. Mais il n'existe pas vraiment. Et ils font une game tous les 20. En fait, ils font une game, ils sont bronze, ils arrêtent de jouer, frère. Non, tu vois, c'est comme nous sur Valo. Mais je pense qu'ils font pas de clips. Ils ont peut-être pas les PC pour faire. Ils ont rien, frère, ils ont pas de connexion. Ils ont pas de souris, ils ont pas de champion, ils ont rien. Gold, c'est quand même honteux que de clip ça en gold, genre. Bon, après, il a solo boulot. Oh non, Marc. Après, il a solo boulot de merde. Attends, le Timo qui s'est suicidé était quel élo? Il envoie peut-être le clip parce qu'il se moque de la Irelia. Hein, parce qu'elle a fait le n'importe Timo quoi. Était, c'est non, il était. Il était. Je sais plus. Gold 4 aussi. Bizarre. Ok, il y a tous les Timos sont Gold 4 maintenant. C'est ça. Il y a des persos par élo, etc. Donc voilà. Narcus, félicitations. Tu remportes ce Guess My Elo. Première soirée du vendredi c'est Solari, tu bien remportes joué, cette édition. Et ouais. Tu gagnes donc un restaurant, voilà. Tu choisiras avec qui aller. Avec moi. Moi je pense qu'il serait marrant. Le deuxième genre. C'est de faire genre on fait une deuxième édition et quelqu'un gagne et il vient. Et c'est les deux au resto. Tu en vas avec Qatar. Non je vais pas avec Qatar, il a perdu frère. Au pire tu vas au resto avec Myrtus, il danse tout nu au resto. Non. Non. Et il fait genre de la danse. Ah ouais incroyable. C'est pas un resto en vrai. Non non. Non, non, tu sais, on fait un truc en mode ça, on en fera un autre. Ouais. Et celui qui gagne, au resto. Ok, avec moi. Ça me va. Et tu vois comme ça. Je trouve ça bien. Ouais, mais trouver des bronzes. Et après, on fera le live au resto. Ok. Un live et resto où, tu sais, où ça discute, ça parle. Et on ramène un bronze. Je veux te parler avec un bronze en vrai. Vas-y. Bah, qui est bronze dans le chat? Interview avec un bronze. Mais genre un vrai bronze. Un vrai bronze qui fait dans la vie. Il y en a des bronzes dans le chat. Il y a des bronzes dans le chat. En mode comment t'en es arrivé là? Comment ouais. Après, Joël, non, oui, ouais. Joël c'est un sacré spécimen. Ouais, il y a plein de bronzes. Il y a des bronzes dans le chat. Envoyez vos clips si tu vous voulez. Parler, que... Tu peux leur parler. Si pour le t'as du coup la prochain truc. C'est pas bronze. Des vrais bronzes. Si c'est des vrais bronzes. Non, j'y crois pas. Mais faut qu'on fasse un tournoi des bronzes. On casse un tournoi que des bronzes de merde. Les trucs là que je vois là, les 1v5 bronze Iron, moi je veux trop faire ça. Moi. Tu vas
faire déchirer. Non, je pense pas. Je pense. Je sais pas qui a gagné. Il y en a un. On verra. Qui? Potent, je crois. Non, il a perdu. Ah ouais? Non, il a gagné contre l'Iron. Il a perdu contre le bronze, je crois. Il a perdu contre le bronze. En même temps, c'est trop dur de faire 1v5 pour les deux. Ouais, c'est trop dur. Ouais, mais en fait, il faut réfléchir au champion parfait. Ouais, c'est pour ça, Fiora, c'est bien. Fiora, c'est bien. T'es toujours full vie, tu coûtes pas trop de mana, tu peux toujours jouer, quoi. Tu peux toujours prendre les tours. Tu peux mais je me demande s'il faut pas jouer un perso qui peut aller sur toute la map, genre un TF ou un truc comme ça. TF? Ah, mais après, il est nerf. Ah ouais, c'est dur, hein. Je pensais pas. Le truc, c'est que si t'as pas un perso qui va sur toute la map, tu envoies un DM à Iris et tu participeras. Je sais pas, je vais. Donc voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi. J'avoue que voilà, c'était un petit retour des émissions de vendredi, petite émission de chill aujourd'hui. Semaine prochaine, on sait pas trop encore ce qu'on fera, on verra. On trouvera un truc à faire. Moi, je serai pas là vendredi prochain parce que voilà quoi. Mais vous serez là, donc vous ferez un truc, ça va être cool. Mmh. Et n'oubliez pas, je crois qu'il y aura une émission aussi au milieu de la semaine, semaine prochaine. Donc en milieu de semaine, il devrait y avoir un gros truc, mais ça, de toute façon, on vous tiendra informé sur les réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas de follow Solari. En tout cas, vous avez pensé quoi, vous, de cette petite soirée un peu chill là? Moi, je trouve que c'est honteux. C'est honteux. Je pense que c'était marrant, mais je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de bronze sur les jeux. Déjà, il n'y a pas de bronze. Mmh. Quand je mets silver, c'est des émeraudes. Quand je mets émeraudes, c'est des silver. Moi, je trouve que c'est honteux. Je suis assez d'accord. En vrai, je trouve que Guess My Hello, c'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur parce que c'est beaucoup de chatte en vrai. C'est que de la chatte, c'est vraiment que de la chatte. Hein. Pas que de la chatte. Il y a beaucoup de chatte. Il y a des clips où t'as assez d'infos pour les trouver. Les clips, ils sont honteux. Déjà, on n'a pas toutes les infos. C'est des custom, on doit trouver, ou des normal games, on doit trouver les lots d'un mec alors qu'il y a 9 bronzes à côté de lui. Moi, je trouve que c'est honteux, mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est honteux. C'est vrai, c'était honteux, c'est le mot de la fin. Je dis pas ça parce que j'ai perdu. Donc voilà, merci à vous tous d'avoir suivi. On se retrouve du coup milieu de semaine prochaine pour une émission et vendredi prochain aussi pour l'émission hebdomadaire. Voilà, le retour d'émission sur Solari. Ce week-end aussi, Smash Bros. Voilà, il y a du Smash Bros ce week-end toute la nuit, Solari, samedi et dimanche. Donc samedi sera sur ma chaîne parce que c'est les phases un peu de mort. Et dimanche, ce sera sur Solari parce que ce sera les phases finales avec Gluto, on l'espère, qui sera là. Évidemment, il y aura un cast dimanche si Gluto est encore en lice. S'il est éliminé, on caste plus. Parce que flemme quoi. Le top 8 dimanche. Non, je crois qu'il y a un peu plus. Mais combien? Top 16 dimanche. Attends, mais ils vont pas faire du top 800 jusqu'au top 16 en une journée demain. Oh, c'est possible des fois. Des fois ils le font. Hein. Ouais, demain. Donc demain dans la nuit, il y a aussi la GA qui sera sur la chaîne de Wax. Donc Wax va faire la GA qui commence demain à 10h je crois. Il y a Xperon aussi. Il y a Xperon qui fait la GA aussi. Donc voilà, tout plein d'e-sport ce week-end. Donc, à défaut d'avoir l'effet les playoffs, on aura d'autres jeux. Et Virtus. Mais du coup, c'est Virtus qui a perdu, Brand. Ouais, c'est Virtus qui a perdu. C'est vrai qu'il faut qu'on trouve un gage. Ouais, t'inquiète. Ouais, on va le trouver. Julie, tu réfléchis à un gage, hein. Ok, vas-y. On réfléchit comme ça, ce sera très bien. Sur ce, passez tous une très bonne soirée. On se retrouve semaine prochaine, ce week-end. Et voilà, des bisous à tous. Bisous. Ciao, bye. Salut.